Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Dieu que je prêche est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le nom tu peux l'adorer. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Le Dieu de gloire est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Ce que je fais, c'est là. Il est là parmi nous. Oh, il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Le Dieu qui guérit, qui bénit est là. Là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Le louer, tu peux l'adorer, tu peux l'aider pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen, pour la gloire de Dieu. Oh, il vient. 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 Nous avons besoin de toi. Oh, il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Et en besoin de ta grâce. J'ai tant besoin de ta grâce. Esprit, j'ai tant besoin de ta grâce. J'ai tant besoin de ta grâce. Ta grâce, oui, c'est Esprit bien. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui est assis sur le trône royal, celui qui ne change pas, celui qui ne change jamais, son nom c'est l'alpha et l'oméga, celui qui est assis sur le trône céleste, celui qui est assis sur le trône divin, il n'a pas changé, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même
d'éternité en éternité. Et c'est lui qui revient bientôt pour nous chercher, pour nous amener dans son repos. Et c'est ce jour que nous préparons jour et nuit. Et nous croyons fermement que vous aussi, vous attendez impatiemment ce grand jour, ce glorieux, ce jour, oui, où le roi des gloires essuiera toute l'âme de vos yeux, de nos yeux. C'est pourquoi, jour et nuit, nous travaillons ensemble pour que vos lampes soient toujours gardées allumées, pour que vos lampes ne s'éteignent point, pour que vous ne perdez pas votre couronne. Et c'est pour ça qu'à travers la sainte doctrine, qu'à travers les enseignements sur la sanctification, le dépouillement et autres, nous travaillons selon le mandat que le Seigneur nous a donné pour que jour et nuit, vous gardez vos robes toujours pures, sans laisser aucune souillure tomber dans cette robe. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous prions sans cesse, que nous prions sans cesse pour que nos lampes restent toujours allumées, pour que nos lampes brillent toujours, pour que nous ne soyons pas surpris par ce grand jour, par ce jour glorieux, par ce jour où le Seigneur viendra nous chercher. C'est pourquoi le Seigneur, à travers ce réveil, utilise tous les moyens pour nous maintenir vivants, pour nous maintenir toujours prêts pour ce jour. C'est pour ça, à travers les enseignements, à travers les différents programmes de prière, les veillées, les prières matinales et toute autre activité, le Seigneur Jésus-Christ passe par le groupe Jésus revient pour vous maintenir toujours vivant. Et le Seigneur a vu que tout cela n'est pas suffisant pour vous maintenir toujours vivant. C'est pour ça que, en dehors des autres programmes de l'Église, le Seigneur nous a fortement inspirés pour que nous puissions et ajouter encore ce programme spécial de prière en ligne. Et aujourd'hui, c'est la première, c'est la première expérience. Voilà. Aujourd'hui, c'est un essai que nous voulons faire effectuer sur cette plateforme appelée Telegram. Si ça marche, gloire à Jésus, nous allons adopter cette plateforme et désormais, les jeudis, en dehors des autres programmes de l'Église, nous allons effectuer aussi ce rendez-vous avec vous en direct. Et à travers ce programme, les jeudis, vous aurez la possibilité de présenter vos requêtes et on va prier ardemment avec vous en direct. Et le Seigneur, par ce programme, va impacter beaucoup de vos vies. Le Seigneur, par ce programme, va délivrer plusieurs qui ont encore des problèmes d'oppression spirituelle. Le Seigneur, à travers ce programme, va exaucer plusieurs qui lui demandent des choses qu'ils n'ont pas encore obtenues. Nous savons que le Seigneur, voyant votre zèle, votre fidélité à tous les programmes, à toutes les activités de ce réveil, le Seigneur Jésus-Christ va vous impacter. Le Seigneur Jésus-Christ va exaucer vos prières, le Seigneur va intervenir dans vos vies et plusieurs de vos situations seront réglées. Et ce programme sera régulièrement animé de façon rotative par nous les serviteurs du groupe Jésus revient et par la grâce de Dieu, tout va se passer très bien. Donc, aujourd'hui, c'est la première
C'est le premier rendez-vous et nous allons voir comment ça va se passer. Et par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, les choses seront encore plus précises. Et nous saluons tous les frères et sœurs qui ont répondu présents à ce rendez-vous. Et cela montre votre attachement à ce réveil. Et nous croyons fermement que le diable ne peut plus vous déconnecter de ce réveil. Le diable ne peut plus vous détacher de ce réveil. Le diable ne peut plus détacher votre âme de ce réveil. Il fera tout, mais il ne pourra pas. Donc, nous sommes rassurés que quand la trompette va sonner, vous serez parmi les premiers qui seront enlevés parmi les saints. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce soir, vous serez, je vais introduire, et l'homme de Dieu, apôtre Paul, a déjà préparé un petit message avec lequel nous allons vous conduire dans la prière, à la prière intense, la prière corps à corps. Parce que souvent, beaucoup sont sur YouTube et ils n'ont pas la possibilité de nous voir corps à corps comme ça. Donc, c'est à cause de tout ça que le Seigneur nous a inspiré ce nouveau programme en plus des autres programmes. Donc, vous aurez la possibilité de présenter vos sujets. Parce que beaucoup de vous ont encore des situations et le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas rester sans rien faire. Gloire à Jésus. Donc voilà le décor que je viens de planter. Donc avant toute chose, je vais confier le programme entre les mains du Seigneur. Je vais prier que le Seigneur Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, nous assiste et que ce programme soit conduit par son Esprit Saint pour que tout se passe très bien du début jusqu'à la fin et que vos attentes soient comblées. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Rédempteur, je veux te bénir une fois encore pour ce grand programme que tu as inspiré et que tu as lancé le bien-être de tes brebis que tu nous as confiées. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leur situation, tu connais leur gémissement, tu sais ce qu'ils souffrent, ce que chacun souffre dans sa vie. Les persécutions spirituelles, les persécutions morales, les persécutions psychologiques, tout ce que tes brebis souffrent dans ce réveil, tu le sais. Et tu veux que à chaque moment, qu'ils soient réellement pris en compte. Seigneur Jésus, c'est à cause de ça que tu as encore inspiré ce programme de prière, de combat en ligne. Seigneur, nous te prions. Prends le devant maintenant. Seigneur, nous ne voulons rien faire selon la chair ni le sang, mais nous voulons que tout se passe par toi-même. Toi, le maître du troupeau, toi, le propriétaire de ce troupeau, je reviens. Seigneur, nous prions que tout se passe par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, toutes les âmes qui ont des situations vont se connecter à ce programme. Seigneur, nous te prions que depuis la maison, que ton Esprit Saint les visite. Que ton Esprit Saint les visite. Que ton Esprit Saint les visite. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison à travers ce programme. Ceux qui ont des oppressions spirituelles, avec des esprits de mari de nuit, avec des esprits de femme de nuit, avec des esprits de sorcellerie, avec des esprits de famille, tous ceux qui ont des problèmes spirituels, Seigneur, nous prions qu'à travers ce programme, Seigneur, nous prions que tu les guérisses, que tu les délivres, que tu les exauces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, papa, quand tu vois tes brebis souffrir, ça te donne, ça te fait mal et tu veux agir dans leur vie. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, te dispose les cœurs. Seigneur, dispose tous les cœurs. Seigneur Jésus, dispose tous les cœurs. Seigneur Jésus, je prie que tu disposes tous les cœurs, papa.
tous les cœurs qui sont connectés en ce moment. Seigneur Jésus, papa, dispose-les. Seigneur, dispose-les. Seigneur, dispose-les. Seigneur, dispose-les. Seigneur, dispose-les, papa. Grand Dieu, grand roi, manifeste ta puissance dans ce programme. Manifeste ta gloire dans ce programme. Papa, nous voulons même qu'à partir même d'aujourd'hui, à la fin de ce programme, papa, nous voulons qu'il y ait beaucoup de témoignages. Seigneur, nous voulons qu'il y ait beaucoup de témoignages. Seigneur, nous voulons qu'il y ait beaucoup de témoignages. Seigneur, nous voulons qu'il y ait beaucoup de témoignages. Seigneur, ceux qui sont spirituellement morts, Seigneur, à travers ce programme, que tu les réveilles. Que tu réveilles leur vie de prière. Que tu réveilles leur vie spirituelle dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tu dis ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot sur la vie de ceux qui espèrent en toi. Tu n'as pas dit ton dernier mot sur la vie de tes brebis qui souffrent encore. Tu n'as pas dit ton dernier mot sur la vie de tes brebis qui attendent ton exaucement sur leur situation. Sur leur situation, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. C'est pourquoi tu as institué ce programme. Alors, Seigneur Jésus, papa, je te prie à travers ce programme que tu les visites puissamment, Seigneur. Que tu les visites puissamment, Seigneur. Que tu les visites puissamment, Seigneur. Quelqu'un veut voir ta main agir. Quelqu'un veut voir ta main opérer dans sa vie, Seigneur. Quelqu'un veut, oui, Seigneur Jésus, te voir agir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a parlé dans le buisson Adam. Quelqu'un veut voir ce Dieu agir. Le Dieu qui a sauvé Sadrach, Meshach, Abednego dans le feu Adam. Quelqu'un veut voir ce Dieu agir encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, étends ta main. Seigneur Jésus, il est là d'étendre ta main, papa. Tes brebis veulent te voir agir. Seigneur, tes brebis veulent te voir agir, Seigneur Jésus. Ne garde pas le silence. Seigneur, ne garde pas le silence. Seigneur Jésus, ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence sur la vie de tes brebis. Ne garde pas le silence. Seigneur, ne garde pas le silence sur la vie de tes brebis. Alors, Seigneur, nous te confions ce programme. Prends le devant de toutes choses, papa. Seigneur, les derniers qui vont nous rejoindre, Seigneur, nous te le confions. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà, au moment où nous serons en train d'écouter ce petit morceau, nous attendons l'arrivée des nouveaux, ceux qui ne sont pas encore entrés. Et je vais passer le relais et à Apôtre Paul, l'homme de Dieu, Apôtre Paul, pour prendre le relais pour nous conduire dans le petit message d'exhortation qu'il a préparé, par lequel nous allons passer ce moment intense de prière. Nous vous demandons que quand les requêtes seront données, priez de toute votre force. Oui, priez de toute votre force. Parce que le Seigneur, Dieu, il veut voir son peuple dans la prière. Parce que je vous dis, tout est fini. Le diable, il ne veut pas voir quelqu'un au ciel. Mais nous, le Seigneur veut que notre lampe soit allumée. Que notre lampe soit toujours gardée allumée. Le Seigneur viendra nous voir dans la prière. Quand la trompette va sonner, le Seigneur veut voir son peuple uni dans la prière. Et non dans les distractions. Le Seigneur ne veut pas voir son peuple dans les distractions. Le Seigneur veut voir son troupeau dans la prière. C'est pourquoi nous n'allons laisser aucun temps à l'ennemi pour nous distraire. Nous n'allons laisser aucun vide à l'ennemi pour nous distraire. Alléluia. Donc voilà. Apôtre Paul va se mettre en place pour nous conduire. Never know. Never know. Never know.
En sa parole, j'ai connu la victoire. En tout moment, je suis toujours vivant. En tout moment, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Yes, shalom, shalom, shalom. Peuple guerrier, le Seigneur Jésus. Il a changé ma vie. Les soldats sont déjà alliés avec les armes. Ça va chauffer ce soir. Alléluia. 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 Que toute la gloire soit rendue au roi de gloire, celui qui est digne de recevoir les fruits de nos louanges, celui qui est assis sur le trône élevé et qui voit les méchants périr. Alléluia. En tout cas, nous sommes bénis ce soir de conduire ce merveilleux programme inspiré par le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur a un projet pour ses enfants. Il dit, le projet que j'ai formé sur vous, c'est un projet de paix et de bonheur. Alléluia. Tel qu'il a promis à Israël, qui va l'emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Donc ce soir, bien-aimé, tu iras dans ce pays. C'est pourquoi le thème de cette soirée est intitulé « Je sors de la maison de mon Père pour servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Gloire à Jésus. La Bible demande que lorsque nous faisons toutes choses, que nous le fassions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prier et demander que le Saint-Esprit nous conduise puissamment et dans la révélation et dans les manifestations, les guérisons, les miracles, les transformations des vies. Prions au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus, béni soit ton nom. Merci Seigneur des Seigneurs, toi qui as prévu que ce jour ait lieu, toi qui as décidé, oh mon Dieu, mon roi, qu'en ce moment, papa, tu vas rassembler tous ceux qui sont à toi et tu vas briser les chaînes, tu vas rompre la verge qui les frappait, Seigneur Jésus, tu vas libérer les captifs et tu vas les appeler sur ta montagne sainte et la maison d'Israël reprendra toutes ses possessions. C'est ce que tu as déclaré ce soir. Père, je prie que ton Esprit Saint descende pour nous conduire, que l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de révélation descende, le discernement descende. Oh, pour nous conduire, Seigneur, tu connais la situation de chacun de tes enfants. Beaucoup sont là avec leur fardeau. Seigneur Jésus, qui veut déposer à tes pieds ce soir. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu les décharges, que tu les décharges, quelle que soit la force, qu'est-ce que soit ce qui les lie, quel que soit le poids écrasant, oh papa, de leur fardeau, Seigneur Jésus, tu es capable de les décharger et de leur donner ton fardeau qui est doux et léger. Je prie que ce soir, cette sœur, oh mon Dieu, mon roi, qui souffre, qui crie vers toi jour et nuit, Seigneur Jésus, qu'elle retourne avec la consolation. Ce bien-aimé, Seigneur Jésus, qui a tant espéré de toi, qui a posé des actes, il dit, Seigneur, oh, tu dois me répondre, Seigneur, jusqu'à quand ma plaie, oh, continuera-t-elle, oh, de ronger. Seigneur, papa, c'est le moment. C'est le moment d'opérer ta puissance. C'est le moment de relâcher l'esprit partout où tes enfants reçoivent assemblés en ce moment. Relâche le Saint-Esprit, relâche la puissance, la promesse. Oh mon Dieu, mon roi, que la promesse descende sur chacun de nous, chacun de tes enfants connectés en ce moment. Seigneur, nous te prions, papa, que notre lampe, oh, déborde d'huile, et que notre langue, mon Dieu, mon roi, soit aiguisée pour ta parole. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui parleras, Seigneur. Papa, je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser pour conduire ce moment. Mais c'est toi, Jésus, que tes enfants doivent voir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous les bien-aimés connectés partout dans le monde entier. Je sais qu'il y a des gens qui sont connectés depuis les États-Unis, le Canada, la France, toute l'Europe, l'Afrique, partout au Burkina, je vois les Burkinabés, voilà les Nigériens, les Camerounais, les Gabonais, partout, même les Béninois aussi. Alléluia, c'est le peuple de Dieu qui est connecté en ce moment. Alors, le Seigneur va nous conduire ce soir dans un moment intense de prière, de combat, de délivrance et de restauration. Gloire à Jésus. Et le thème qui nous a inspiré, comme nous l'avons mis sur l'affiche, est intitulé « Je sors de la maison de mon Père pour servir le Seigneur Jésus-Christ ». Ce thème est tellement vaste. Beaucoup vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais encore quitter la maison de mon Père? C'est quel Père dont il s'agit? Et ou bien je ne servais pas le Seigneur Jésus avant ou bien quoi?
Alléluia. Donc, le programme va se dérouler en plusieurs modules. Ce soir, nous allons faire une première partie du programme parce que le programme est très vaste. C'est divisé en deux grandes parties qu'on va diviser en des sous-modules. La première partie est intitulée « Je dois sortir de la maison de mon père ». Et la deuxième partie, je vais servir le Seigneur Jésus-Christ, comme Josué a dit, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peu de Dieu, nous allons prendre ce passage que nous allons méditer. On va prendre quelques passages que nous allons noter rapidement. Nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse du chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 2. Et nous allons aussi prendre Genèse 31, verset 3 et 13 et 28, 29. Amen. Et aussi Genèse 32, à partir du verset 9 à 12. Alléluia, je reprends Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Genèse 31, 3, 13 et 28. Genèse 32, verset 9 à 12. Et nous allons aussi prendre Luc 10, 19. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous allons rapidement lire la parole, puisque la parole, c'est elle qui instruit, c'est elle qui est la révélation, c'est elle qui va nous délivrer. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus là où il est? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est vainqueur? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est le véritable Dieu? Est-ce que quelqu'un peut proclamer, dire Jésus, tu règnes dans ma vie, règnes dans ma famille? Est-ce que quelqu'un peut proclamer plus fort? Est-ce que quelqu'un peut imposer le règne de Jésus autour de lui? Alléluia, gloire à Jésus. Alors, Genèse chapitre 12, verset 1 et 2. Nous allons lire au verset 3, jusqu'au verset 3. Voilà, disons ensemble. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 1, chapitre 12, verset 1 à 3 que nous venons de lire. Nous allons lire aussi Genèse 31. Ce sont les passages de base qui vont nous aider à poser le fondement de la prière de cette soirée. Alléluia. Genèse chapitre 31. Alors, nous lisons à partir du verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi. Et il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Alléluia. Nous allons venir au niveau du verset 13. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Gloire à Jésus. Alors, le verset 22 nous dit ceci. Le troisième jour, on annonce à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Alléluia. Alors, je descends au niveau du verset 26. Il dit ceci. Alors, Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et m'as-tu point averti?
Je t'aurais laissé partir au milieu de tes, au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Amen. Genèse 32, le verset 9 à 12, pour finir notre lecture. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour toutes ces paroles qu'il nous a données comme un support de prière de cette soirée. Alléluia. Le thème, c'est « Je dois sortir de la maison de mon Père pour servir le Seigneur Jésus-Christ ». Bien-aimé, quand nous lisons bien le thème dit « je dois sortir », c'est un ordre, « je dois sortir », bien-aimé, « je dois sortir de la maison de mon père ». Pourquoi c'est cet ordre que Dieu a donné à Abraham, qui lui dit « sors de la maison, sors de ta patrie, sors, quitte ta nation, quitte ton pays, et je te montrerai un pays où je te bénirai ». Je te multiplierai, je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations. Bien-aimé, quand nous lisons, nous voyons que la même chose est encore revenue à Jacob. Le même empressement. Quitte la maison de Laban. À un moment donné, Dieu a ordonné à Jacob de quitter la maison de Laban. Nous avons vu comment Jacob aussi a quitté à la voie de l'Éternel. Et la même voie encore va encore poursuivre les enfants de Jacob. Alléluia, en Égypte, qui sont en captivité, qu'elle va dire, vous quittez l'Égypte et allez me servir dans le désert. Bien aimé, à chaque moment, Dieu appelle ses enfants. Il les appelle parce que il veut maintenant qu'ils les servent. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, que je vais brièvement lire parce que le même appel qui a été adressé à Abraham, Jacob, Israël, ce même appel nous a été aussi adressé. Amen. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, dit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Bien aimé, nous avons vu que effectivement Dieu à chaque moment appelle ses enfants et c'est cet appel que toi aussi tu as reçu. Donc Dieu veut vraiment qu'à un moment donné qu'il y ait un moment de départ. Alléluia, nous devons partir de là où nous sommes. Partir, quitter veut dire nous devons nous séparer. Séparer de quoi? Séparer de nos pères. Séparer de quoi? Séparer des choses de nos pères. Alléluia. Et nous avons constaté que beaucoup ont abandonné, beaucoup ont écouté la voix de Dieu, ont abandonné effectivement la maison de leur père, ont abandonné les idoles, mais malheureusement ces idoles qu'ils ont abandonnées, ne les ont pas abandonnées. Alléluia. Eux, ils ont abandonné les idoles. Ils ont quitté la maison de leur père en abandonnant les idoles, mais les idoles ne les ont pas abandonnées. Il y a des promesses, nous avons compris qu'il y a des promesses qui accompagnent réellement la nouvelle destination du croyant. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, Dieu lui a donné, Dieu lui a fait des promesses. Nous avons vu les quatre promesses que Dieu lui a fait. Nous avons lu quatre ou cinq promesses que nous avons lues tout à l'heure dans Genèse 12. Il dit, je te bénirai, voilà, je ferai de toi père des nations, je ferai de toi une source de bénédiction, je rendrai ton nom grand, alléluia, etc. Donc nous avons vu effectivement
que à chaque fois quand Dieu appelle, Dieu fait toujours une promesse. Amen. Il fait une promesse. Et nous avons constaté que pour que Abraham puisse obtenir ses promesses, il est impératif pour lui de quitter la maison de son père. Alléluia. Il doit quitter toute chose. Donc, lorsque Dieu nous appelle, nous devons quitter toute chose. Alors, pourquoi alors devons-nous quitter la maison de notre père, bien-aimé? Est-ce que c'est pas possible que nous puissions servir Dieu étant dans la maison de notre père? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de notre père pour que Dieu nous dise de quitter cette maison? Amen. Parce que l'appel, c'est que Dieu nous dit de quitter. Et c'est pourquoi on dit, je dois quitter, parce que Dieu nous appelle. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Nous avons vu, quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison, quitte ta patrie, c'est parce qu'il y a des choses dans ta patrie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans la patrie d'Abraham? C'est ce que Josué va nous dire dans Josué 24. Il va nous dire ceci, lorsque Josué va rappeler Israël, et sur la terre promise, il va leur dire quelque chose. Écoutez bien ce que Josué va leur dire, parce que Dieu lui a donné la révélation sur ce qui se passe dans la maison d'Abraham, la maison du père Abraham. Il dit ceci, Josué 24, le verset 2. Il dit ceci, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons pertinemment maintenant ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans la maison du père d'Abraham, dans la patrie d'Abraham, quand Dieu lui a dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Donc en réalité, Dieu lui dit en réalité, quitte maintenant ces faux dieux que tes parents, que Terach adoraient, de quitter, de se séparer de ces idoles-là. La même chose, Dieu a encore dit à Gédéon, tu dois renverser l'autel de Baal de ton père, Joas. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je crois que ce thème est vraiment pertinent. C'est un thème de sursaut dans la foi. Et nous avons vu effectivement que dans la maison d'Abraham, alléluia, il y a des idoles. Gloire à Jésus. Nous avons vu aussi dans la maison de Gédéon, il y a aussi des idoles. Il y a Baal qui régnait. Gloire à Jésus. Or, nous savons très bien que quand nous parlons de la maison de nos pères, c'est là que nous avons été engendrés, c'est là que nous sommes nés. Gloire à Jésus. Donc nous sommes nés de cette famille, nous sommes nés de nos ancêtres. Donc quand on voit, nous ne sommes que en réalité, disons, la manifestation de nos ancêtres, le résultat, voilà, des alliances. Nous ne sommes que le résultat de nos parents. Alléluia. Même si la science, même pas avant nous aider, même on parle, il y a une partie de la science qui étudie ce qu'on appelle la génétique. Alléluia. La génétique est une science qui dit quoi? Les générations. Lorsque nous parlons de génétique, voyez, je veux rapidement faire allusion à une expression que je veux que les uns et les autres vraiment comprennent. Lorsque nous parlons de génétique, alléluia, nous avons tendance à parler beaucoup plus de des générations. Nous avons lu dans le livre de Genèse, eux on dit Noé engendra Sem, Japheth, Cam, alléluia. Ou bien on va dire, Adam engendra Caïn et Abel, Caïn engendra ceci, voilà, etc. Donc, nous voyons qu'il y a une généalogie, en réalité, qui nous a été présentée. Cette généalogie, c'est ça qu'on appelle la génétique. Amen. Et c'est ça, en réalité, que Dieu veut réellement nous séparer. Quand on dit de quitter la maison de son père, en réalité, Dieu veut que nous nous séparons de ces choses. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose devient nouvelle. Amen. Donc, est-ce que cela veut dire que la main de Dieu est aussi petite pour, en réalité, pour nous sauver, pour nous bénir dans la maison de notre père? Est-ce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire? Parce qu'il dit de quitter pour que Abraham soit béni, pour que Jacob soit béni, pour que Gédéon soit béni. Il doit quitter la maison de leur père. Est-ce que ça dit que Dieu est faible d'agir dans la maison de nos pères? Voilà la question qui va peut-être, qui va amener beaucoup d'interrogations. Bien aimé, c'est pas que la main de Dieu est trop petite. Amen. Dieu, en réalité, veut se glorifier. Il veut se glorifier. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à des idoles. Amen. Donc, nous devons regarder que le même esprit qui avait parlé, alléluia, à Abraham, le même esprit a encore parlé à Jacob, et c'est le même esprit qui va encore parler à Moïse. Donc, en réalité, ça montre que tel que Dieu vient de parler à Israël, c'est comme ça se passe dans nos familles aussi. Voyez, nos ancêtres, nos grands-parents, nos prêtres de nos parents, certainement n'ayant pas connu Dieu,
Alléluia. Certainement, ils ont fait alliance. Ils ont adoré des faux. À qui? Qui les a fait des promesses? Alléluia. Or, quand on fait des promesses, vous avez vu que dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, les promesses sont conditionnées. Donc, les promesses sont conditionnées, gloire à Jésus. Ça voudrait dire que même les démons aussi, qui régnaient dans les familles, à qui nos parents malheureusement cherchaient la protection, se sont donnés. Ces démons, en réalité, pour les protéger, bah, une protection précaire, une protection qui n'a même pas de sens. Alléluia. Ils posaient des conditions. Vous devez nous adorer. Chaque année, vous devez faire ceci. Vous devez faire des sacrifices. Vous devez livrer ceci. Bien-aimés. Donc, c'est dans tout ça là que nous sommes nés. C'est dans tout ça là que tu es né. Tu es né de cette filiation. Amen. Beaucoup sont en Christ. Voilà, on dit oui, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais cette parole, en réalité, pour beaucoup de chrétiens, ça les trouble. C'est comme si, mais en réalité, c'est pas vrai. Pour eux, c'est comme si c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ils ont pourtant quitté la maison de leur père, ils ont pourtant quitté leur village, quitté les anciennes pratiques, mais rien n'a changé. Alléluia. Rien n'a changé. Donc, beaucoup de questions, les gens se posent aujourd'hui. Voilà. Amen. Pourquoi certains, mais malgré leur zèle pour le Seigneur, continuent encore d'essuyer des échecs devant le diable? Alléluia. Est-ce que, étant chrétien, est-ce que nous pouvons encore être sous l'influence des esprits de famille? C'est ce que beaucoup se posent comme question. Pourquoi il y a tant de réclamations dans la vie de certaines personnes? Pourtant, ils appartiennent à Dieu. Dieu a dit dans Lévitique 20, 26, il dit, je vous ai séparés des pauvres, vous m'appartenez. Voyez maintenant, vous m'appartenez. Voyez, comme Dieu nous a séparés, Dieu a séparé Israël des peuples et que Israël appartient à Dieu. C'est comme ça aussi, les esprits de famille aussi ont séparé votre famille, les familles des uns des autres, pour que ces familles en réalité les appartiennent. Et ils ont assujetti les familles. Alléluia, par des jours. Regardez mais ce que Jacob va dire à Laban. Aux enfants de Laban. Il va leur dire ceci. Et c'est comme ça que les démons opèrent dans la vie des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Genèse 31, lorsque Jacob a parlé, il dit ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, le verset 6. Il dit ceci. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Regardez bien. Regardez bien. C'est ce que nos parents ont fait, c'est ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont servi les idoles, ils ont servi toutes ces choses-là, de tout leur pouvoir. Quand on parle de pouvoir, on parle de force. Alléluia, on parle de force. Rappelez-nous que Jésus nous a dit que tu serviras, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de tout ton esprit, de tout ton cœur, etc., etc. Alléluia. Donc, Jacob a prouvé de tout son pouvoir le service loyal, alléluia, au Père, à Laban. Et votre père s'est joué de moi. C'est ce que les esprits ont fait. Ils se sont joués de nos familles. Alléluia. Et a changé 10 fois mon salaire. Il trompe. Vous avez vu qu'il a tromperie ici. Et les esprits trompaient nos parents. Alléluia. Et plus ils trompaient nos parents, plus nos parents étaient davantage assujettis. Et ils sont obligés davantage de faire des sacrifices, davantage de consolider des alliances avec les démons. Au point où ils se voient qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Amen. Parfois même, on est obligé de donner même en sacrifice des personnes, des êtres vivants. Alléluia. Des femmes vivantes, des vieilles, des enfants. Pour qu'ils aient peut-être un semblant de plus, pour qu'ils aient un semblant de clémence de la saison, etc. Alléluia. Vous avez vu comment Jacob a présenté la situation de Laban. Donc Laban, en réalité, s'est joué de lui. Et c'est ce qu'il va dire en réalité à ses enfants ici. Donc, c'est sûr que c'est le comportement des démons, des esprits de famille, les dieux de nos familles, les dieux que nous servions avant que Dieu ne nous appelle. C'est pourquoi l'impératif, l'appel pressant là, tu dois sortir de la maison de mon père. Alléluia. Tu dois sortir de la maison de ton père. C'est vrai, tu es en Christ. Mais le problème, c'est que comment se fait-il qu'il n'y a pas une différence entre ta vie actuelle et la vie des parents qui ne sont même pas encore convertis. Alléluia. Il y a beaucoup qui présentent ce genre de traits. Il n'y a aucune différence entre la vie actuelle et la vie passée. Et la vie actuelle et la vie de leurs parents qui sont encore incroyants. Gloire à Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur va briser les chaînes. Jésus va briser les chaînes. Et ce qui te retenait chaque fois quand tu te dors, quand tu dors et tu te retrouves seul, tu te vois dans la maison de ton père. Parfois, j'ai dit, ah, je me suis retrouvé à tel endroit. Non, tu ne dois pas te retrouver dans la maison de ton père. Non. Alléluia, tu as une nouvelle patrie. Tu as une nouvelle patrie, c'est là. Ton âme, ton esprit, ton corps, tout est bien, tout ce que tu as, doivent se retrouver. Gloire à Jésus.
C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous a inspirés pour que nous puissions présenter cela, afin de bien prier. Alléluia. Donc, nous voyons effectivement que dans la maison d'Abraham, il y avait les idoles. C'est pourquoi, quand on dit quitte ta maison, en réalité, ce n'est pas la maison matérielle dont on parle. On parle de ce qui se passe dans la maison. On parle des pratiques dans la maison. Gloire à Jésus. Et nous avons vu comment dans la maison d'Abraham, la Bible dit dans Josué 24, que le père d'Abraham, Terach, en réalité servait des faux dieux. Donc Abraham aussi servait des faux dieux. C'est pourquoi Dieu dit, quitte les faux dieux. Sépare-toi des faux dieux. La même chose est revenue encore à Jacob. Laban l'a poursuivi parce que Laban lui a dit en réalité, tu as pris mes dieux. Voyez, tu as dérobé mes dieux. Donc les dieux de Laban se trouvent avec Jacob. Vous avez vu maintenant? Donc Jacob est venu pour les Jacob, pas Jacob, les femmes de Jacob ont pris en réalité les dieux de la maison de Laban. C'est pourquoi Laban s'est levé pour poursuivre Jacob. La Bible dit qu'il a fait 16 journées de route. Donc vraiment, vous avez vu, il a pris près de 600 personnes pour poursuivre, Jacob. Pourtant, Jacob a quitté la maison de Laban. Et c'est pareil aussi, lorsqu'Israël devait quitter l'Égypte. Lorsqu'il voulait quitter l'Égypte, on a vu comment Pharaon s'est déchaîné. Il a mobilisé près de 600 chars d'élite et toute l'armée de l'Égypte pour poursuivre Israël. C'est la même chose. Alléluia. Donc, quitter la maison de son père, c'est pas une belle affaire. C'est un combat. Et nous avons vu comment ce combat a eu lieu dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Gloire à Jésus, parce que c'est le même Dieu qui a toujours agi dans le passé et dans le présent, et il agira toujours parce qu'il est l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous voyons que cela montre clairement que le Seigneur Jésus n'est pas dans la maison du père d'Abraham. Ça montre aussi que Jésus n'est pas dans la maison de Laban. C'est pourquoi Jacob doit quitter la maison de Laban. C'est pourquoi Abraham doit quitter la maison de Terach. Et toi aussi, tu dois quitter la maison de tes pères. Tu as quitté physiquement, mais tu dois aussi quitter spirituellement. Et ce que je dis, beaucoup vont se dire, non, nous avons cru en Jésus, mais pourquoi tout ça là? Et c'est là que je vais donner le bien fondé de l'œuvre de la croix. Amen. En réalité, l'œuvre de la croix, s'il n'y avait pas la croix, je suis sûr que personne d'entre nous ne quitterait sa famille. Personne. Personne ne quittera. Nous avons vu tout le combat qui a eu lieu lorsque, Israël devait quitter l'Égypte. Tout le combat qui a eu lieu. S'il n'y avait pas l'Éternel, Israël va retourner en Égypte parce que Pharaon a mis tout son habit pour les chercher. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, la puissance de Dieu qui a été déployée par l'agneau immolé, n'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas la croix? Donc, en réalité, le combat spirituel, tout son sens dans l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de combat spirituel. Quand les gens disent que non, la croix, tout accompli, il n'y a plus de combat spirituel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La croix nous permet en réalité de rentrer en possession, de quitter, de partir définitivement. Vous avez vu, quand Jacob voulait partir de la maison de Laban, il a pris tous ses biens. Il a pris son troupeau, il a pris ses femmes, il est parti. Alléluia. Israël aussi, quand il veut quitter l'Égypte, ils ont pris tous leurs biens et ils sont partis. On ne laisse aucun bien dans la maison du Père. Tu pars avec tout pour servir le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, on doit l'adorer, Seigneur Jésus. L'adorer comment? En esprit, en vérité. L'adorer aussi par tout ce que nous avons. Amen. Donc, nous avons vraiment vu l'histoire de Jacob, comment Dieu l'a vraiment parlé pour qu'il quitte la maison de son Père. Donc, ce soir, bien-aimés, nous voulons vraiment présenter ce petit test pour introduire la prière de ce soir. En réalité, beaucoup vont se rendre compte que malgré tous les efforts qu'ils font, leur marche est essoufflée. Amen. Leur marche est essoufflée et beaucoup perdent le courage, beaucoup rétrogradent, beaucoup sont obligés de faire des compromis parce que vraiment, ils ne peuvent pas. Il ne peut pas continuer la marche, il ne peut pas aller dans la terre promise, il ne peut pas entrer dans la promesse de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ce soir, nous allons beaucoup prier. Et nous avons constaté que le problème fondamental que Dieu a souligné ici, c'est les idoles. Les idoles. Vous savez, j'ai dit que tout à l'heure que beaucoup ont quitté la maison de leur père en abandonnant les idoles. Les idoles qu'ils ont abandonnées, ces idoles même les ont suivies. Amen. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans les liens. Ils ne comprennent pas comment se fait-il qu'il y a une pression sur leur vie, une obsession totale dans le péché. Oh, c'est un péché qui est pratiqué dans leur famille. Ils se retrouvent malheureusement dans ça. Et ça refroidit la marche.
et se retrouvent chaque fois dans la maison de leur père. Il y en a d'autres aussi que en réalité ils n'ont pas été totalement ils n'ont pas totalement quitté la maison de leur père parce que leur cordon n'a pas été coupé, comme Jésus pouvait dire à Israël. À ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Alléluia. C'est très important. Donc, il faut que vraiment qu'il y ait ce traitement des origines dans nos vies pour que nous puissions vraiment jouir pleinement de l'œuvre de la croix, de la puissance de Jésus à la croix. Amen. Beaucoup sont malades, beaucoup sont dans la solitude, beaucoup sont dans la sécheresse, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Or, les promesses de Dieu ne mentent pas. Amen. Je dis quoi? Les projets que j'ai faits sur vous, c'est quoi? Les projets de paix et de bonheur. Mais, alors, où est la paix dont Dieu m'a promis? Où est le bonheur dont Dieu m'a promis? N'est-ce pas ce que Jésus va dire à l'Éternel? C'est ça. Donc, en réalité, nous devons prier réellement pour quitter définitivement, pour nous déraciner. Alléluia. De la maison de nos pères. La maison de nos pères. La maison où on sert les pâles, la maison où on sert les idoles, les choses, alléluia, terrestres, les choses humaines. Alléluia, nous devons quitter ces choses-là. Aussi, nos pères aussi, hein, c'est aussi le monde. Parce que quand nous parlons de pères, c'est d'où nous avons été engendrés. Le Seigneur veut nous chercher dans le monde. Donc le monde aussi est comme notre père. Donc nous devons quitter, nous devons nous séparer du monde. C'est ça la sanctification en fait. Donc la sanctification aussi, c'est une arme de combat spirituel. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous qui marchez dans la sanctification, sachez qu'en réalité vous êtes engagés dans des combats. Vous êtes engagés dans le combat. Lorsqu'on décide de mettre la vie de sanctification, sachez que c'est la vie de combat spirituel. Vous devez être combattu, vous devez être persécuté. C'est ce que Jésus a annoncé dans sa parole, dans les exhortations pour préparer les cœurs. Parce que le royaume, alléluia, le royaume de Dieu doit descendre d'abord dans nos cœurs, pour transformer nos cœurs, afin que nous puissions maintenant amener le royaume sur la terre. Amener le royaume vers les nations, vers les païens, vers ceux qui sont encore retenus captifs. Amen. Donc, nous avons compris qu'il est nécessaire de quitter la maison de son père. Quitter la maison de son père, c'est renoncer à tout ce qui se fait. C'est renoncer à la culture, c'est renoncer aux manières, au système de pensée de sa famille, de sa patrie, de sa nation. Alléluia. Et incorporer maintenant les nouvelles pensées, les pensées de Christ, telles que la Bible nous dit que nous devons quitter, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et la clé pour y entrer, c'est quoi? C'est la repentance. C'est pourquoi Jésus va nous dire, les temps sont finis, va dire, repentez-vous. Alléluia. Car le royaume des cieux est proche. Et pour y entrer, c'est la repentance. La repentance, c'est quitter. La repentance, c'est partir. La repentance, c'est abandonner. Amen. Donc, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses. Nous avons abandonné les idoles physiques, mais nous avons des idoles spirituelles dans nos cœurs. Alléluia. Nous avons refusé de fléchir genoux. Amen. Devant les bords de terre, devant les bois, devant les montagnes, devant les collines. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous fléchons genoux devant l'impudicité. Nous fléchons genoux devant le mensonge. Nous fléchons genoux devant les murmures, devant les critiques, devant les calomnies. Ne sont-elles pas des idoles? Bien sûr, ce sont des idoles que nous avons héritées de la maison de nos pères. C'est pourquoi Pierre va nous dire, nous avons été rachetés de belles manières. Alléluia, que nous avons hérité de nos pères à précieux sang de Jésus. Donc Jésus est venu nous libérer de toutes ces choses-là. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, tu dois te poser la question réellement. Est-ce que réellement tu as quitté la maison de ton père? Est-ce que tu as quitté en réalité les choses de ce monde pour servir le véritable Dieu? Alléluia, si tu n'as pas quitté, ça veut dire que tu seras toujours en train d'être combattu parce que le monde va t'attirer, les choses de ta vie vont t'attirer. Regardez comment Laban va chercher Jacob. Il va le chercher pour le ramener. Il va tenter d'abord le corrompre. Amen. Il va d'abord commencer par les belles paroles. Oh, Dieu lui a dit, tu ne parleras pas en bien ni en mal de Jacob. Alléluia. Regardez comment Pharaon va poursuivre Israël avec tout son ami pour les ramener. C'est comme ça. Lorsque tu vas quitter les péchés, lorsque tu vas quitter par exemple la prostitution, la prostitution va te poursuivre. Elle va pousser avec 600 chars. Alléluia. Elle va te pousser avec 600 chars. Il va sortir les chars de convoitise. Il va sortir les chars des mauvaises pensées. Il va sortir les chars d'élite, de la luxure. Toutes ces choses-là. Il va t'assaillir. Alléluia. Tu seras combattu de toutes parts parce qu'il sait qu'il veut te ramener.
Mais toi, il va pas, tu vas plus jamais te ramener. Tu vas plus jamais te retrouver dans les liens de la famille. Tu vas plus jamais te retrouver dans ces choses. Mais il faut que tu prennes la décision de sortir. Tu dois sortir de la maison de ton père. Alléluia. C'est une décision. Tu dois sortir de ces choses abominables. Tu dois sortir de cette impiété. Parce que le manque de foi, c'est les choses de la famille. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez maintenant le vrai sens de votre combat spirituel? C'est pourquoi le Seigneur Jésus va nous bénir ce soir par son intervention puissante. Donc, bien-aimés, nous allons prendre un cantique. Je vais demander à une bien-aimée de nous donner un cantique. Alléluia. Un cantique qui vient de son cœur pour bénir le Seigneur de cette petite exhortation que vous avez reçue. Parce que c'est une exhortation, donc on a parlé dans tous les sens. Amen. Est-ce qu'il y a une bien-aimée qui est inspirée ce soir pour nous donner un cantique, Franck, qui vient de son cœur pour remercier le Seigneur pour cette petite exhortation qui va nous conduire certainement dans la prière? S'il y a une bien-aimée qui est là, ou bien bien-aimée, bien sûr, hein, je veux pas que ce soit pas forcément, hein. Alléluia, les femmes, s'il y a un bien-aimé aussi, il peut prendre, amen, je veux qu'on participe, amen. Alors, celui qui veut, ou celle qui veut donner le cantique peut ouvrir sa caméra. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le véritable, c'est lui que nous devons servir, c'est lui le Dieu qui est digne, c'est lui le vrai Dieu, celui qui ne change pas, celui dont la main d'homme n'a point formé, celui qu'on ne peut pas dérober. Alléluia, les autres dieux, on peut les dérober, on peut les transporter, mais lui, on ne le transporte pas, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est l'Éternel. La main de la terre, la main du temps, la main de l'homme ne peut pas transporter l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un volontaire? Est-ce que quelqu'un peut nous donner un chant? Voilà. Allumez votre caméra. Je veux juste un chant. Un chant. Je veux un chant qui vient de votre cœur. Un chant rapidement. Il n'y a personne? Vous ne m'entendez pas? Allumez votre caméra et chantez pour nous. Gloire à Jésus. Ou même moi, je vais désigner. Je vais choisir au hasard quelqu'un qui nous suit. Alléluia. Bon, frère Paul, il faut nous donner un cantique, s'il te plaît. Paul, Stéphane Paul, donne-nous un cantique, s'il te plaît. Est-ce que le frère Paul, est-ce qu'il m'entend? Est-ce que le frère Paul est là? Je ne veux pas qu'on tue le temps. Jésus, un cantique, d'accord? C'est très important que nous chantions. Oh, Jésus est le Dieu, très haut, le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Il faut proclamer le cantique. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est au-dessus des idoles. Il est au-dessus des dieux de nos familles. Est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Très haut, Jésus est le Dieu. Très haut, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance
dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Que le Seigneur Jésus te bénisse. C'était merveilleux. Voilà. Ça nous a permis de faire quelques réglages ici parce que la température est élevée. Amen. Donc, bien-aimé, voilà. Nous voulons de recevoir cette petite exhortation qui a ouvert un peu nos yeux sur les réalités. C'est vrai, nous n'avons pas rentré en profondeur parce que nous devons aussi parler de l'homme fort de la famille parce que nous devons aussi nous séparer de lui. Amen. Mais nous allons prendre cet engagement, cette proclamation en l'honneur de notre Seigneur Jésus, notre dévouement à Jésus. Alléluia, là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, tu vas répéter avec moi. Amen. Toi qui me suis, là où tu es, tu répètes cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que par la vertu de ma relation avec toi, je suis entré dans un combat actif contre le royaume des ténèbres.
ma première étape est de déclarer mon allégeance absolue envers toi, Seigneur Jésus. Capitaine de l'armée de l'Éternel et mon Seigneur et Sauveur. J'espère que vous m'entendez. Je m'en remets à toi et à ton autorité sans réserve et je mets ma vie entièrement entre tes mains. Comme ta parole l'explique, je m'équipe maintenant de toute l'armure de Dieu afin d'être victorieux dans cette bataille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse aussi dans ma vie toute forteresse ou homme fort qui m'empêche d'avancer. Seigneur Jésus, aide-moi dans cette bataille afin que je puisse te suivre sans fin. Ensuite, Seigneur Jésus, je débarrasse ma vie de tout haut lieu qui pourrait m'empêcher d'avancer, de toute allégeance à de vieux schémas, de toute allégeance à la maison de mon père, de toute allégeance au Dieu servi dans ma famille, de toute allégeance au péché. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce soir et je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je dépose à tes pieds les idoles qui m'ont suivi. Les idoles qui sont dans mon cœur, je les dépose à tes pieds. Seigneur Jésus, je viens et je me rejoins à mes frères dans ce lieu afin que tu déploies ton armée pour nous libérer des forces de famille qui veulent nous retourner dans notre vieille nature. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je plaide ton sang ce soir sur ma vie. Je demande le secours de ton esprit pour me soutenir. Car je ne vois pas mes ennemis. Ce combat, je ne vois pas mes ennemis. Mais ton esprit, je ne les connais pas. Mais ton esprit qui connaît toutes choses me révèle. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Prépare mon âme Seigneur. Au combat. Prépare-moi, Seigneur. Seigneur, ma vie doit changer. Ma marche doit changer. La puissance de la Je dois expérimenter la puissance de la croix. Je dois expérimenter la victoire Je de la croix. Je dois expérimenter. La victoire de la croix. Je dois expérimenter la chute de Satan dans ma vie. Je dois expérimenter la fuite de Satan dans ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce combat est ton combat. Ce combat est ton combat. C'est à priez, cause de priez, toutes ces choses. C'est à cause de toutes ces choses. Que tu as versé ton sang. Je viens te demander pardon. Je veux te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes péchés. Pardon pour les péchés de mes parents. Priez. Pardon pour les péchés de mes parents. Pour tout ce que mes parents ont amené dans la famille. Pour tout ce que mes parents ont amené dans la famille. Et ils ont détourné les faux dieux. Des générations. Ils ont détourné. Ils ont des générations. Ils ont vendu tes enfants à Satan. Seigneur, tes enfants à Satan, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je suis issu de ces alliances, Seigneur. Je suis issu de l'alliance, Seigneur. Je suis le fruit de leurs péchés, Seigneur. Je suis le fruit de leurs péchés, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, je plaide pour ma famille. Seigneur Jésus, je plaide pour ma famille. Les bénédictions que tu as données à ma famille. Les bénédictions que tu as données à ma famille. Nous les avons données aux démons pour les adorer.
Nous les avons donnés aux démons pour les entourer. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, pardon. Priez. Pardonne-nous. Plaidez, priez, demandez pardon. Tu dois ouvrir tes demande pardon. Confesser tes péchés. Prie. Parce que tu veux aller sur demande le pardon. Combat, mais tu ne peux pas partir avec le péché. Regarde, Jacob est parti avec les idoles. Laban l'a poursuivi. Tu ne dois plus avoir les dieux de ta famille dans ta vie. Tu ne dois plus avoir la colère, le dieu de colère de ta famille en toi. La rancune, le dieu de ta famille, la rancune dans ta vie. Demande pardon. Bien-aimé, ce sont des choses qui font que nous n'arrivons pas à entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont des choses qui nous font traîner sur la route, sur le chemin du ciel, qui retardent les promesses de Dieu dans nos vies. Demande pardon. Dis, Seigneur, je viens devant toi ce soir. Seigneur, ma rébellion. Seigneur Jésus, je viens, je te demande pardon. Seigneur Jésus, mon cœur est rempli des choses de ma famille. J'ai pourtant quitté ma famille, mais je continue encore à marcher comme les gens de ma famille. Je continue à penser comme les gens de ma famille. Je continue à être dû, je continue à être encore rancunier comme les gens de ma famille. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Bien-aimé, lève ta voix et demande pardon. Nous devons demander pardon, faire la paix avec le Seigneur avant de continuer le combat. Parce que nous n'allons pas combattre et que le diable nous poursuit. Le diable vient nous gronder comme Laban a fait à Jacob. Prions. Élevez vos voix, priez. Priez vers le Seigneur. Élevez vos mains. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que nous avons fait, les alliances que nous avons faites, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce que ce soir, Papa, je sois digne de combattre dans l'armée céleste. Je combats aux côtés des anges. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Bien-aimé, prie. Demande au Seigneur de te faire grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce soir, Seigneur. Fais-moi grâce. Tu as vu que tu as quitté la maison de ton père, mais il y a toujours un péché qui te contrôle encore. C'est le Dieu de ton père. C'est pourquoi tu dois le quitter. C'est le Dieu de ce monde. Il dit, n'aime pas le monde. Le monde est ton père. Tu dois quitter. Oh, le monde. Tu dois te séparer des choses du monde. Tes pensées. Ne dois plus les pensées du monde. Bien-aimé, prie et renonce à toutes ces choses ce soir. Commence par renoncer. Allez, renonce aux convoitises, renonce aux faux dieux, renonce à l'excès du sommeil. Ce sont les faux dieux de famille. La paresse, ce sont les faux dieux de famille. Demande pardon. Demande pardon à la gloutonnerie. Demande pardon aux critiques. Toi qui t'insultes toujours en juge, toi qui connais tout, l'orgueil, demande pardon et renonce. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce au Dieu orgueil. Je refuse de le servir désormais, Seigneur. Seigneur, je le quitte aujourd'hui. Je le quitte aujourd'hui. Je me sépare de toi. Toi, Dieu d'orgueil, je me sépare de toi. Toi, Dieu de calomnie, je me sépare de toi. Toi, Dieu de sorcellerie, je me sépare de toi. Toi, Dieu de la reine, je me sépare de toi. Toi, Dieu de la méchanceté, je me sépare de toi. Prie. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Demandez. Oh Seigneur, je me sépare ce soir. Seigneur Jésus, je me sépare, Papa. Je les ai adorés. J'ai fait des offrandes du péché. J'ai fait des offrandes de l'impudicité. Oh, sur les autels de famille, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Bien-aimé, demande pardon encore. Parce que derrière toutes ces choses que tu fais, il y a un Dieu qui est derrière. Tout acte que tu poses, qui ne révèle pas Jésus, derrière cet acte se cache un Dieu du monde, un Dieu de ta famille. Prie et renonce à ce Dieu, renonce à cela. Renonce. Je renonce au nom de Jésus.
À partir d'aujourd'hui, je renonce à toi le Dieu de famille qui a mis encore dans mon cœur le manque de pardon, l'hypocrisie, je renonce à toi, le Dieu de mensonge, de tromperie, de duperie, je renonce le pacte que j'ai fait avec toi aujourd'hui. Je prie, renoncez. Priez, Jésus, je sais que l'Esprit est déjà là, l'Esprit est là, la puissance de Dieu est avec vous, les anges coopèrent avec vous. Priez, prie comme tu n'as jamais prié, prie, renonce. Seigneur, je renonce, Seigneur, prie. Je renonce, Seigneur, tous les prie pour les renoncer, tous les pas par les paroles. Oh mon Dieu, mon roi, je renonce ce soir, je renonce. Toutes ces choses que j'ai renoncé, renoncer. Je n'ai rien fait, Seigneur. Renoncer encore. Renoncer encore. Prie. Je renonce. Ne dors pas, prie. Je renonce. Prie. Je renonce. Renoncer. Je renonce. Renonce à toutes les alliances. Les alliances que tes pères avaient faites. Renonce à tout. Renonce à tout. Toutes les alliances que tes ancêtres avaient faites, qui impliquent toute ta famille, qui impliquent ta propre vie, qui impliquent même tes enfants, qui agissent sur la vie de tes enfants. Renonce-les, prie, crie à Dieu. Refuse. Gédéon a refusé d'adorer les dieux de ses pères. Il les a cassés. Toi aussi, renonce-les. Prie. Refuse. Renonce. Prie. Seigneur Jésus, tu clames. Priez. Dis, Seigneur, je me lève ce soir sous ton autorité parce que tu es mon Dieu. Seigneur, je me lève ce soir sous ton autorité. Lève-toi sous le fin de te quitter. Parce que ce soir, tu renonces à l'alliance de tes pères. Tu renonces au fardeau que tes pères vont peser sur ta vie à travers leurs alliances avec les ténèbres. Tu vas voir le fardeau en train de te quitter ce soir. L'homme qui te poussa dans le rêve, tu ne le verras plus à partir de ce soir. Parce que tu as renoncé à ce que tes pères ont adoré. Tu as renoncé aux alliances de tes pères. Tu vois la puissance de Dieu agir en toi pour te déconnecter des alliances de ton père. Tes ancêtres. Prie encore. Je me détache. Je renonce. Renoncez. De toute consécration, de tout dévouement maléfique au esprit de famille, au nom de Jésus, tout petit idole auquel j'ai été consacré, été dédié, où mes parents étaient dédiés. Prie. Oh Jésus, je me lève ce soir. Oh Seigneur, je me lève, je renonce et je me détache de toi. Toi, esprit de famille, auquel j'ai été dédié. Priez. Famille, auquel j'ai été livré. Oh, pas de rituel, pas de sacrifice. Au nom de Jésus, je me détache. Je me détache de toi. Par la puissance du sang de Jésus. Oh, je me détache. Je me détache. Détaché. Oh, que le sang de Jésus. Détaché. Que le sang de Jésus. Oh, que le détaché. Sang de Jésus me sépare des péchés des ancêtres. Oh, commence par prier. Séparez-vous. Sépare-toi. Sépare-toi. Par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi. C'est pas toi, refuse donc. Il y a beaucoup. Je refuse. Qui ont été dédiés aux forces mystiques. Beaucoup ont été consacrés dans les lobes. Refusez. Renoncez, révoquez, détruisez. À cause de leurs origines. Oh, lève-toi. Tu dois prier. Tu dois prier par le sang de Jésus. Jésus est mort pour toi. Tu as proclamé la victoire de Jésus. Lève-toi par le sang de Jésus. Je ne sais pas ce soir. C'est pas toi.
C'est pas toi, c'est pas toi. Tu vas prier par le sang de Jésus, toute réclamation de ma destinée, toute réclamation de ma santé, toute réclamation de ma foi. Oh, j'en ai eu. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont commencé à marcher dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils ont retrouvé. Beaucoup sont d'adorer les fétiches, les choses qu'ils ont abandonnées parce qu'il y a une réclamation de la vie. Beaucoup sont tombés dans le péché. Beaucoup sont tombés dans la prostitution. Beaucoup sont tombés dans la vie. Et ils sont retrogradés. Bien-aimés, prie. Oh, par le sang de Jésus, j'en ai eu toutes les réclamations familiales. Toutes les réclamations des hommes. Annulé. J'en ai eu. Le sang de Jésus, sang de Jésus. Oh, des sang coule sur moi. Sang de Jésus, détache-moi. Prie au nom de Jésus. Prie. Invoque le sang de Jésus. Le sang qui libère. Le sang qui brise la nuit. Prie. Prie. Quand je dois servir ces fétiches, ils ont fait des promesses en mon nom, Seigneur. Oh, je renonce à ces promesses. Et j'en nulle par le sang de Jésus. Je ne me reconnais pas dans ces feux, Seigneur. Oh, c'est toi que j'ai tiré ce service, Seigneur. Oh, aujourd'hui, Seigneur, que ton sang plaide dans ma faveur. Que le sang de Jésus plaide dans ma faveur. Oh, je me détache. Priez. Je me détache. Je renonce à toute dévotion démoniaque. Toute dévotion démoniaque sur ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je refuse de servir d'une manière ou d'une autre les dieux de ma famille. Refuser, renoncer. Oh, je renonce. Non, je renonce. Prends autorité par le sang de Jésus pour briser les malédictions attachées à ses promesses. Prie par l'autorité du nom de Jésus et commande que toutes les malédictions attachées à ses promesses, attachées à ses consécrations démoniaques, attachées à ses faux dieux. Oh, prie par l'autorité du nom de Jésus pour briser les malédictions. Oh, par le nom de Jésus, je commande que toutes malédictions attachées à ses promesses soient brisées. Priez. Prie de toute ta force. Priez. Au nom de Jésus. Prie. Prends autorité. Je prends autorité sur toutes les malédictions ancestrales, les malédictions familiales. Attaché aux adorations des faux dieux, au comportement, au cratère de ma famille, toute malédiction qui se cache derrière la colère, toute malédiction qui se cache derrière l'orgueil, toute malédiction qui se cache derrière la prostitution, derrière l'impudicité, derrière la convoitise, je brise, oh, fâchez-vous. Soyez animés de la sainte colère de Dieu et priez au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous remplisse. Qui vous remplisse, Saint-Esprit, remplis-les, Saint-Esprit, remplis-les du feu de la prière, remplis-les de l'onction, que l'onction commence par couler, Seigneur, tu as dit que tu vas répandre sur la maison de David. Oh, un esprit de supplication de grâce. Seigneur, c'est le moment de répandre l'esprit de prière. L'esprit de prière. Répand. Que chacun de tes enfants soit saisi. Oh, de la puissance, de l'onction de la prière.
Commande, commande, commande à tous les démons. Commande à tous les démons. Tous les démons associés aux promesses, aux dédicaces, aux dévotions démoniaques. Commande à l'instant, vous démons, démons de famille. Oh, je commande de partir, de quitter ma vie maintenant. De quitter ma vie, lâcher ma vie, lâcher ma vie. Vous à qui j'ai dédié par le nom de Jésus. Voici Jésus, le nouveau maître de ma vie. J'ai accepté d'adorer Jésus. La vie n'est qu'à toi, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Je refuse de servir. Ce que mes pères ont servi. Je refuse d'obéir aux divinités que mes pères, à qui mes pères ont obéi. Je refuse de servir ce que mes pères ont servi. Je refuse de servir les faux dieux. Je refuse. Priez. Prie. Commande. Vous commandez. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la personne de l'ennemi. Rien ne peut vous lire. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Et ce que vous allez lire la terre sera lié au ciel. Priez. Jésus vous donne tous les pouvoirs. La Bible déclare, vous les petits enfants, vous les avez vaincus. Jésus paraît pour détruire les yeux du diable. Oh, priez, dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Priez ce soir, élevez la voix. Élevez la voix, priez. Commandez à tous les démons associés aux vœux parentaux, les vœux que vos parents formaient, les démons qui étaient associés, parce que tout vœu est fait intervenir divinité. Si ce n'est pas Dieu, alors c'est les démons. Priez au nom de Jésus. Tout démon qui est attaché au feu formé par moi pour me consacrer ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. Je vous commande, vous démons de famille, vous esprit de serpent, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit de sirène, esprit des forêts, et au nom de Jésus, je vous commande, à qui mes parents ont fait des vœux, je vous commande, lâchez-vous, sortez au nom de Jésus. Sortez. Allez, éloignez-vous de moi. Maintenant, je vous commande. Priez. Priez de toute votre force. Priez. Vous n'avez pas encore prié. Priez. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Priez. Seigneur Jésus, assis. Seigneur Jésus, assis. Seigneur, au Père. Maintenant, démon, vous avez les maux de tête dans ma vie. Allez, je vous commande. Sortez maintenant au nom de Jésus. Je brise vos chaînes. Je brise votre pouvoir. Je brise votre autorité. Lâchez-moi au nom de Jésus. Allez, priez. Prenez autorité. Toutes ces forces qui se sont levées. Les dévouements familiaux, priez au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tout démon de contrôle établi sur ma vie, à cause des alliances, à cause des vœux que mes parents ont formulés pour qu'ils me gardent, pour qu'ils me protègent, pour qu'ils protègent la famille, pour qu'ils protègent les biens de la famille. Toi, démon de contrôle, toi, esprit de contrôle, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir, au nom de Jésus, je te commande, lâche ma vie, le sang de Jésus descend sur toi. Priez. Quelque chose se passe. Certains commencent par avoir des vertiges. C'est le départ des démons. C'est le signe que les démons sont de partir. Certains vont pleurer. C'est le signe que les démons sont de partir. Certains vont vomir. C'est le signe que les démons sont de partir. Certains sont d'avoir des Priez. Dans le nez. C'est le signe que les démons sont de partir. Certains vont commencer par entendre des voix. C'est le signe que les démons sont de partir. La puissance des sanctuaires, l'onction de Dieu te localise. Oh, toi, soldat, lève-toi. Oh, toi qui prie en ce moment, l'onction de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Elle descend sur toi.
de Jésus. Elle descend sur toi au nom 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 de Jésus. Prie. Continue encore. Ne baissez pas. Les démons ne comprennent que le langage de la violence et de l'autorité. Vous avez reçu tout pouvoir. Vous avez reçu tout pouvoir par le pouvoir que mon Père m'a donné. Je commande tout esprit guerrier. Tout esprit guerrier qui contrôle mon village. Priez. Contrôle ma famille. Auquel j'ai été dédié. Priez. Directement par mes parents. Aujourd'hui, toi, esprit guerrier, je me sépare de toi. Et je tiens l'épée de l'Éternel. Je brise tes chaînes. Tes chaînes de servitude. Tes chaînes de réclamation. Je les brise. Je t'ordonne. Lâche ma vie. Je te commande au nom de Jésus, lâche ma vie. Tu dois lâcher ma vie maintenant. Je ne te dois rien. Le sang de Jésus m'a justifié. Le sang de Jésus a été offert pour moi à la croix à Golgotha. La Bible dit que vous avez été racheté au prix du sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté. Alors tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus d'autorité. Toi, démon de surveillance. Toi, esprit de surveillance. Établis ma vie. Et partout où je vais, tu me surveilles. Tu me contrôles dans mes rêves. Tu es derrière moi. Et je sens que quelqu'un me suit. Au nom de Jésus, j'entends. Terre, avale. Je te commande, terre, au nom de Jésus. Par l'autorité que j'ai reçue du Père. Oh, je te commande, terre, avale cet esprit. Avale maintenant. Qui descend dans le chiol. Maintenant même. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Contre l'esclavage maléfique. Alléluia, contre la servitude maléfique. Tu vas prier encore. Alléluia, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous a franchi, c'est que vous êtes réellement libre. Aujourd'hui, la puissance de la croix, où Jésus t'a de la liberté, tu vas briser tous les pouvoirs de servitude, tous les pouvoirs d'esclavage. Tu te vois esclave, alors que tu es libre. La Bible dit que nous avons été appelés à la liberté. C'est la liberté que Christ nous a affranchi. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, toute forme de servitude sur ma vie, toute loi de servitude, je travaille, mais c'est les démons qui en profitent. Je travaille, ce sont les esprits qui en profitent. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de servitude. Je brise le pouvoir de servitude. Je brise tous ces pouvoirs. Ce sont des pouvoirs qui avortent tes projets. Ce sont des pouvoirs qui empêchent que tu réussisses parce que les dieux de ta famille ne veulent pas. Ils ont déployé des chars. La Bible dit quoi? Que Laban est parti avec des chars, avec 400 hommes. Le pharaon est parti avec 600 chars d'élite pour poursuivre, pour ramener Israël. Bien-aimé, tu vas prier. Prie au nom de Jésus. Prie. Je me libère par la puissance du nom de Jésus. Je me libère par le sang de Jésus versé à la croix de toute servitude familiale, de toute forme d'esclavage, esclavage sexuel. Au nom de Jésus, je me libère, je brise au nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui portent les marques de la servitude sexuelle. Et partout elles vont, elles deviennent la proie des hommes. Elles sont devenues malheureuses. Elles ont une vie malheureuse. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer parce que hier, tu étais dans la servitude sexuelle. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Jésus veut te délivrer. Lève-toi et prie. Prie. Quelque chose se passe. Je prophétise pendant que tu pries maintenant même le départ immédiat de ces esprits. Le départ immédiat maintenant de tout esprit qui contrôle ta vie. Je commande tout esprit qui t'a asservi, tout esprit qui t'a rendu comme une esclave. Tout ce que tu fais, oh bien-aimé, tu n'arrives pas à jouir de quoi que ce soit. Tu travailles beaucoup, mais tu as peu de résultats. Oh, tu fais beaucoup d'efforts dans le ministère, mais tu n'as pas de résultats. Oh, ta vie est sèche, sèche. Oh, prie, c'est le moment. C'est le moment de prier contre l'esprit de servitude, l'esprit de Pharaon,
l'esprit de Pharaon, le Pharaon de ta vie, qui t'a asservi. Oh mon Dieu, mon roi, c'est le moment. Par le sang de Jésus, je me rachète de tes mains. Je me rachète de tes mains. Je me rachète de tes mains. Corps, âme et esprit, ma destinée, mes biens, je me rachète. Mon étoile, je les rachète de tes mains. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, priez, 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 priez. Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez, 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 priez. Dis, Seigneur, que ta hache descende, ta hache de feu. Seigneur, envoie la hache de feu. Envoie la hache de feu dans mes fondements, les fondements de ma vie, les racines maléfiques. Priez, 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 priez. De Nazareth, c'est le moment de descendre la hache de feu. Que la hache de feu perd. Au nom de Jésus, libère la hache de feu maintenant pour déraciner tout fondement démoniaque dans ma vie qui m'a servi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole que si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Malgré l'effroi du juste, si le fondement n'est pas bon, ça ne tiendra pas, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, oh Seigneur, déracine-moi. Seigneur, déracine-moi. Seigneur, déracine-moi. Déracine-moi de ma famille. Seigneur, déracine-moi. Déracine-moi. Crie, 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 crie. Crie vers le Seigneur. Dis, Seigneur, priez, 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 priez. Oh, Seigneur, prie de toute ta force. Et tant à mes pour me déraciner. Priez, 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 priez. Priez, c'est prier. Priez avec agressivité. Priez avec agressivité. C'est une prière agressive. C'est une prière agressive. Vous devez prier avec autorité. Vous avez reçu tout pouvoir. Exercez votre autorité, votre pouvoir. Contre toutes les puissances qui vous accablent, toutes les puissances qui vous affaiblissent, toutes les puissances oh, qui vous empêchent oh, de servir Jésus. Allez, levez, 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 levez la main et priez, priez, priez. Dis Seigneur, déracine-moi. Seigneur, déracine-moi. 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 Seigneur, déracine-moi. Prie, 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 prie. Seigneur Jésus, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. Déracine-moi, déracine-moi, déracine-moi. Oh Jésus, déracine-moi. Venez me mettre ta main sur la tête et crie Jésus. Dis Jésus, je compte sur toi. Je n'ai plus de force, Seigneur. Je n'ai plus de force, Seigneur. Je tourne vers toi, Seigneur. Déracine-moi. Oh, bien-aimé, dis Seigneur, déracine-moi. 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 Certains vont tomber quand ils vont prier. Certains vont tomber. Pendant qu'ils prient, ils vont tomber. Ils vont tomber. Certains vont commencer par chanceler. Certains même vont se voir comme s'ils sont en l'air. Le Seigneur doit faire un travail dans votre vie. Oh, priez, 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 priez. Oh, dis Seigneur, déracine-moi. Déracine-moi de mes fondements. Déracine-moi, oh, des fondements de ma famille. Seigneur, la corde qui est attachée à mes pieds. Seigneur, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. 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 Seigneur, déracine-moi. Seigneur Jésus, déracine-moi. C'est Jésus, déracine-moi. C'est Jésus, déracine-moi. Priez, 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 priez. Priez avec la même requête. Seigneur, déracine-moi. Seigneur, déracine-moi. Que ta race me déracine de ma famille. Que la race de l'État me déracine. Que mon cordon ombilical qui est attaché aux idoles à la maison de mon père. Que la race de feu de l'État descende pour couper ce cordon. Pour couper ce cordon. Pour couper ce cordon. Pour couper ce cordon. Race de l'Éternel, race de feu descend. Épée descend. Épée descend. Au nom de Jésus. Descend, 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 descend. Au nom de Jésus. Descend, 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 descend. Au nom de Jésus. Descend dans ma famille pour me déraciner, pour me déraciner. Seigneur, pour couper aujourd'hui, oh, le cordon ombilical qui est relié au fétiche, aux malédictions de famille. Malgré Seigneur Jésus, oh, ma séparation de ma famille. Seigneur Jésus, tout ce qu'ils font. Oh, papa, je suis atteint spirituellement de tout ce qu'ils font, de tous les rituels, Seigneur, à cause de mon cordon ombilical qui se nourrit de leur, qui se nourrit de leur rituel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ta hache de feu descende pour couper mon cordon ombilical. Pour couper mon cordon ombilical, Seigneur, coupe mon cordon ombilical. Priez, 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 priez. Oh, levez-vous, priez, priez au nom de Jésus. 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 Dis, Seigneur, coupe-moi, coupe-moi. Dis, Seigneur, déracine-moi. 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 Déracine-moi de ma famille. Priez, 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 priez. Tu es le fondement de ma vie. Jésus, tu es le fondement de ma vie. Tu es le fondement. Je déclare, je proclame.
Jésus-Christ de Nazareth, tu es la pierre de ma vie, la pierre angulaire, la pierre angulaire, la pierre sur laquelle, oh, quand ça appuie, on n'est point confus. La pierre, quand elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrase. Seigneur, fais de moi cette pierre. Fais de moi cette pierre, fais de moi cette pierre qui écrasera mes ennemis, qui écrasera mes ennemis, qui écrasera mes ennemis. Prie. Oh, priez. Priez au nom de Jésus. 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 Dis, demande que le sang de Jésus, que le sang de Jésus déborde en toi. Dis, sang de Jésus, déborde en moi. Déborde en moi, déborde en moi, déborde en moi. Tout ce qu'ils ont placé en moi comme connexion, tout ce qu'ils ont déposé en moi comme système de communication entre ma vie et ma famille et ma maison de mon père. Seigneur, que ton sang coule en moi pour détruire ce système. Que ton sang irrigue dans mes veines pour détruire ce système. Tout ce qu'ils ont placé en moi, Seigneur, mystiquement, tout ce qu'ils ont placé en moi dans mon sommeil. Seigneur, j'ai vu que dans mon sommeil, ils sont venus me faire, oh mon Dieu, moi, des éjections. Dans mon sommeil, j'ai vu, Seigneur, qu'ils m'ont poignardé. Dans mon sommeil, j'ai vu qu'ils ont tiré sur moi. Dans mon sommeil, j'ai vu qu'ils m'ont donné à manger. Dans mon sommeil, j'ai vu qu'ils m'ont amené à faire des choses. Oh Seigneur, ce soir, que ton sang, que ton sang, que ton sang déborde en moi. Sang de Jésus, déborde. Oh, priez. Oh, criez, sang de Jésus, détruis ce qu'ils ont déposé en moi. Détruis ce qu'ils ont déposé en moi. Détruis les semences de ces esprits, les semences de ces idoles. Seigneur Jésus, les semences. Priez. Yes, yes, yes.
Oui, il faut allumer ton micro. Ton micro ne marche pas. On n'entend pas ta voix. Oh là là. Cool, cool. Voilà. Cool. Oh, désolé. Ah, vous m'entendez pas? Voilà. Oh, désolé. Ce que tu disais depuis, ça ne sonnait pas. Aïe, 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 aïe. Désolé. Seigneur Jésus, tu as prié. Tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, le nom de famille que je porte, par lesquels les esprits réagissent par les échecs, réagissent par les rejets, réagissent par les retards. Oh, Seigneur, j'invoque ton sang, que le sang de Jésus brise les alliances. Le nom qu'on m'a attribué dans ma famille, le nom qu'on m'a donné, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, le nom, papa, le nom des alliances, le nom des démons que je porte, le nom des parents décédés que je porte, aujourd'hui, Seigneur, je me sépare de ces noms. Je me sépare de ces noms. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang de nettoyer ma vie de l'influence de ce nom. Oh, prie. Demande que le sang de Jésus nettoie l'influence de ce nom sur ta vie, de ce nom sur tes diplômes, de ce nom, oh, sur ton projet, de ce nom sur ton entreprise, de ce nom sur ta vie, parce que c'est derrière ce nom qu'on appelle ce nom. Tous les esprits réagissent, toutes les malédictions, oh, réagissent. Oh, bien-aimé, tu as refusé d'aller vers ces idoles, tu as refusé d'aller vers les esprits de famille. Oh, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que mon nom, le nom qu'ils m'ont donné, Seigneur, je me sépare de ce nom. Le démon qui se cache derrière ce nom, toi démon qui répond par le nom de famille, oh, qu'on m'a attribué par le sang de Jésus, je me sépare de toi. Le sang de Jésus annule tous les rituels qui ont été faits en ce nom, tous les rituels qui ont été faits en ce nom, tout démon, tout esprit de famille qui porte ce nom, je me sépare de toi. Prie. Prie au nom de Jésus. Oh, prie. Il y a beaucoup aussi qui ont reçu malheureusement toutes ces choses par les mains impures qui leur ont été imposées quand ils étaient enfants. Oh, tu t'abaissais devant les salles du village et ils imposaient la main sur toi et ils te maudissaient. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute malédiction, oh, déposée sur ma tête. Oh, lorsque je saluais, lorsque je vénérais ces salles du village, ces tantes, ces oncles, Seigneur Jésus, oh, je prie maintenant que ton sang brise ces malédictions, brise les pouvoirs que je suis, brise les onctions qu'ils l'ont lâché sur ma tête, les onctions qu'ils l'ont lâché sur ma vie, oh, pour me regresser, pour me retarder, pour me retrograder, Seigneur Jésus, oh, par ton sang, je brise toutes ces onctions qui sont sur ma vie, toute main impure qui m'a été imposée, toute main de sorcier qui m'a été imposée, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit consciemment, que ce soit inconsciemment, Seigneur Jésus, je viens devant toi, les marques de ces mains sur ma vie, soit effacé, j'efface, commence pas à effacer, dis Seigneur, oh, maintenant que ton sang coule dans mes mains, j'efface les marques que j'ai reçues, mon étoile qu'ils ont volée pendant qu'ils m'imposaient la main. Aujourd'hui, Père, aujourd'hui, je prie maintenant que ta main, que la main de l'Éternel, la main de Dieu vivant, oh, localise là où ils ont placé mon étoile, là où ils ont gardé mon étoile. Que ce soir, que mon étoile soit arrachée de la main, que mon étoile soit arrachée de la main, que mon étoile soit arrachée de la main, que mon étoile soit arrachée de la main. Seigneur Jésus, j'arrache mon étoile de la main. Prie. Prie au nom de Jésus. J'arrache mon étoile de la main. Il y en a beaucoup qui ont des fondations d'infimité démoniaque, infimité héréditaire. Oh, papa souffre de diabète.
grand-père souffrait de diabète. Oh, bien-aimé, c'est une mauvaise fondation. Tu vas prier ce soir, toi, du sang de Jésus. Que cette fondation de maladie, oh, qui est attachée à ma famille, Seigneur Jésus, que ton sang vienne nettoyer ma famille de cette fondation. Seigneur, que ton sang brise. Oh, cette maladie, Seigneur, cette maladie héréditaire, cette maladie qui se transmet de grand-père en père, de père en fils, hein, Seigneur, aujourd'hui, ça reste sur moi. Ça reste sur moi. Toi, maladie héréditaire, toi, mal de cœur, toi, mal des yeux. Au nom de Jésus, je brise tes fondements. Je brise tes fondements. Je brise tes fondements. Sang de Jésus, brise tes fondements. 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 Toi, démon qui amène cette maladie. Toi, démon qui dirige cette maladie. Aujourd'hui, je t'abats par l'épée. L'épée de Dieu t'abat au nom de Jésus. Je t'abats par l'épée. Je saisis l'épée du Saint-Esprit. Je t'abats au nom de Jésus. 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 Tous les décrets de maladies, les maladies héréditaires. Et on a dit que ça, c'est notre partage. C'est ce que notre famille a donné en contrepartie ou c'est ce que notre famille a reçu en contrepartie. Oh Seigneur, moi je refuse. Seigneur, je refuse. Je refuse, Seigneur. Je sors de la famille aujourd'hui. Je sors de la maison, Seigneur. Je sors, Seigneur. Je sors, Seigneur. Mais je ne sors pas avec les maladies. Je ne sors pas avec les maladies. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur. Fais grâce à ma famille, Seigneur. Je veux aussi que tu libères ma famille de ce fléau qui frappe ma famille chaque année et qui doit avoir de morts précoces, qui doit avoir de morts par noyade, qui doit avoir de morts par incendie, qui doit avoir de morts par accident, qui doit avoir de morts de crise cardiaque. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh j'annule ce décret. Je détruis ce fléau, je détruis ce fléau, je détruis ce fléau, je le déracine, je le déracine, je le déracine. La Bible déclare, oh mort, où est ta victoire? Oh fléau, où est ta victoire? Ta victoire au nom de Jésus a été engloutie. C'est pourquoi je détruis ta victoire. Je détruis ta victoire sur ma famille. Je détruis ta victoire sur ma famille. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, libère ma famille. Libère ma famille des maladies qui sont attachées à ma famille. Des maladies qui sont attachées, Seigneur, à ma famille. Et dans ma famille, tout le monde a le même mal. Tout le monde a la même maladie, Seigneur. Aujourd'hui, par le sang que tu as versé, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Prie, 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 prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Ce Seigneur va te délivrer et délivrer ta famille. Lève-toi et prie pour ta famille. Ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les mains. La Bible déclare, quand Moïse baissait les mains, Amalek prend le contrôle. Mais quand sa mère s'élevait, alors Israël prend le contrôle. Bien-aimé, continue à prier. Priez, 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 priez. Les anges continuent encore de prier. Priez, 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 priez. Les anges totalement ta famille et toi. Oh, prie ce soir. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie contre les mauvais décrets. Prie contre les mauvais décrets. Les mauvais décrets qui ont été pris sur ta vie. Prie contre ces mauvais décrets. Prie contre ces mauvais décrets. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Que tous ces mauvais décrets soient brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus que tu as avec. Priez, 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 détruis, priez, détruis, révoquez les mauvais décrets, tous les mauvais décrets pris sur ta vie, tous les mauvais décrets qui opèrent dans ta vie, prie pour les détruire, prie pour les anéantir, prie pour les révoquer. Prie, 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 prie. Priez, 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 priez sans cesse. Priez sans cesse, priez sans cesse. Priez pour annuler. Priez pour révoquer. Priez pour détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Prie, 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 prie. Prie, 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 dis Seigneur. Ce soir, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. Seigneur, oh, que tu me remplisses de la violence spirituelle, Seigneur. Papa, contre des situations tenaces, des situations, Seigneur, impossibles. Les montagnes de ma vie, Seigneur, ce soir, ces montagnes doivent être renversées, Seigneur. Les murs qui sont établis sur ma vie. Seigneur, quand je viens à ce niveau, Seigneur, je suis obligé de reculer encore. Seigneur, ce soir, Seigneur, que la terre s'ébranle, que ces montagnes tombent, que ces montagnes soient brisées, Seigneur. Oh, que ces montagnes soient brisées, bien aimé, prie, prie. Il y a des personnes qui ont des situations tellement
tellement compliquées, tellement difficiles. Elles-mêmes ne comprennent pas. Des situations tenaces, des situations têtues. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas prier, tu vas prophétiser, tu vas déclarer. Donc, tu as dit, Seigneur, frappe ces montagnes. Frappe les montagnes qui sont devant moi. Frappe les montagnes qui sont devant moi. Les montagnes qui refusent, Seigneur, que j'avance. Les montagnes qui refusent que je sois décollé dans la famille. Seigneur, frappe ces montagnes. Frappe ces montagnes. Éternel, éternel, éternel. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Frappe, 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 frappe. Frappe ces montagnes, frappe ces montagnes, frappe ces montagnes, frappe ces montagnes, frappe, 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 frappe. Oh, Seigneur, frappe ces montagnes. Seigneur, frappe ces montagnes. Seigneur, frappe ces montagnes. Seigneur, frappe ces montagnes. Frappe, frappe, frappe. Tu es le rocher des sages. Seigneur, tu es le rocher des âges. Tu es le plus grand rocher, le plus puissant rocher. Seigneur, brise. Brise les montagnes qui sont devant moi. Seigneur, les montagnes qui m'empêchent de voir ta gloire. Les montagnes qui m'empêchent de voir l'autre côté, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Que ces montagnes soient brisées. Brisées, 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 brisées. Oh, bien-aimé, Prie. Commence par prier. Commence par prier contre les mauvaises tendances, les mauvaises choses qui arrivent de manière cyclique. Aujourd'hui, tu arrêtes la saison dans ta vie. J'arrête tout événement qui survient à des moments dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Prie, 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 prie. Oh, bien aimé, prie. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Dis, Seigneur, tous les ennemis. Tous les ennemis, oh, qui viennent, oh, mon Dieu, mon roi, à chaque fois que je vais être béni, Seigneur, oh, qui me disperse, qui me disgrace, qui soit paralysé, Seigneur, qui soit paralysé, qui soit paralysé, je paralyse, je paralyse, je paralyse toutes mes qui s'élèvent depuis le monde des ténèbres, toutes mes qui s'élèvent depuis la sorcellerie, toutes mes qui s'élèvent depuis la mer, toutes mes qui s'élèvent depuis le ciel, contre ma destinée, contre ma marche vers le ciel. Aujourd'hui, que cette me soit paralysée. 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 Prie. Commence pas à prier. Il y a des personnes qui ont des situations financières vraiment critiques. Parce qu'il y a des rongeurs dans leur vie. Il y a des teignes dans leur vie. Tu vas prier, tu vas envoyer le feu contre tous les rongeurs. Tous les teignes qui détruisent les sauterelles, les gélèques, qui absorbent tes récoltes, tous tes efforts, dis Seigneur, au nom de Jésus, je libère le feu, je libère le feu, 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 que le feu embrase maintenant, partout les rongeurs se cachent. Partout, oh, les dévoreurs se cachent. Les dévoreurs cachés dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, que le feu les localise. Que le feu les localise. Le feu dévorant. 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 Feu dévorant. Feu dévorant. Feu dévorant. Apparaît là où je suis. Apparaît dans ma maison. Apparaît dans ma maison. Apparaît dans mon entreprise. Apparaît dans mon entreprise. Apparaît sous mon chantier. Apparaît sous mon chantier. Apparaît sur mon lieu de travail, Seigneur, les dévoreurs, Seigneur Jésus, qu'ils soient frappés par le feu, que le feu embrase, que le feu consume tous ces dévoreurs, Seigneur Jésus, que tous les dévoreurs libérés dans ma vie, Seigneur, quand je fais un effort, ces dévoreurs viennent, oh, pour détruire, Seigneur, oh, mon Dieu, mon roi, et tout le temps, je suis dans les dettes. Je suis dans les dettes. Aujourd'hui, vous dévoreurs, les dévoreurs spirituels, envoyez dans ma vie, envoyez dans ma maison, envoyez dans mon foyer, envoyez dans mon entreprise, envoyez dans mon ministère. Que le feu dévorant les embrase, les consume. J'ordonne que le feu les détruise. Feu sur vous. Tout ce chemin, ils vont passer, Seigneur, qu'ils croisent le feu, qu'ils croisent le feu, qu'ils croisent le feu, qu'ils croisent le feu, qu'ils croisent le feu. Que la terreur les saisit, Seigneur. Que la terreur les saisit, Seigneur. Qu'ils relâchent tout ce qu'ils ont dévoré dans ma vie. Qu'ils vomissent, Seigneur. Tout ce que les sorciers ont volé dans ma vie. Aujourd'hui, Père, je prie maintenant, j'envoie des bombardiers, j'envoie des missiles partout sur le lit, dans toutes les prisons de sorcellerie, Seigneur.
aujourd'hui, Père, l'arbre de famille, l'arbre qui garde les richesses de ma famille, l'arbre qui stocke nos bénédictions, nos grâces, aujourd'hui, Père, oh, que tu envoies les catastrophes à descendre maintenant pour démolir l'arbre, que l'arbre soit déraciné, que l'arbre soit déraciné, que l'arbre soit déraciné maintenant, 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 priez, priez, priez. Priez, demandez que l'âme soit déracinée. Demandez que l'âme soit déracinée. Dis, Seigneur, que l'âme soit déracinée. Seigneur, que l'âme soit déracinée. 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 Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison dans les arbres de leur famille. Oh, parfois, ils dorment surtout dans les forêts. Ils se retrouvent en train de ramasser des bois. Oh, tu as dit, Seigneur. Oh, toute prison dans les arbres, aujourd'hui, Seigneur. Oh, que le port de ces arbres soit brisé, Seigneur. Que l'arbre soit déraciné. Oh, j'envoie le feu dans les racines. J'envoie le feu dans les racines. J'envoie le feu dans les racines. Que l'arbre tombe. L'arbre de prison. L'arbre de prison. Oh, dans ma famille, tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Tout arbre auquel mon âme est attachée. Aujourd'hui, je me sépare de cet arbre. J'appelle la main de l'Éternel. Seigneur, envoie l'épée de carnage. Prie, prie, prie. Demande au Seigneur d'envoyer l'épée de carnage. Dis, Seigneur, envoie l'épée de carnage. Seigneur, envoie l'épée de carnage. 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 Que cet arbre soit fendu. Que l'arbre soit fendu. Que l'arbre soit fendu. Que ses feuilles soient consumées. J'ordonne que plus de feuilles descendent sur l'arbre. Que l'arbre soit consumé. Que le fromager soit consumé. Que le cocotier soit consumé. Que le manguier soit consumé. Que le baobab soit consumé. Que l'iroko soit consumé. Seigneur Jésus, l'arbre qui était là, qu'ils appellent l'arbre des anciens. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, que l'arbre des anciens, l'arbre sur lequel les anciens viennent se réunir, Seigneur, pour partager, oh, les grâces de tes enfants. Je commande que les feuilles de cet arbre prennent feu. Que les branches 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 prennent feu. Que les feuilles prennent feu. Que les feuilles prennent feu. Seigneur, que l'arbre s'ouvre maintenant. Que l'arbre s'ouvre maintenant. Arbre, ouvre-toi maintenant. Je te commande. Toi, arbre de famille, je t'ordonne. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Prie, 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 prie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ordonne à l'arbre de s'ouvrir. Ordonne à l'arbre de s'ouvrir. Tel que les démons t'écoutent, l'arbre aussi doit t'écouter. Parle à l'arbre. Parle à l'arbre. Ordonne. Demande. Ordonne. Commande. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne à l'arbre de s'ouvrir. Mais l'arbre n'a pas le choix. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. L'âme aussi est serviteur de Dieu. L'âme doit t'obéir. Maintenant, prie, 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 prie. Je te commande maintenant au nom de Jésus. Toi, arbre de famille. Toi, dans lequel mes grâces ont été cachées. Mon âme a été cachée. Mon étoile a été cachée. Allez, allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, arbre, maintenant. Ouvre-toi, élève, lève-toi lentement, lève-toi lentement, lève-toi lentement. Maintenant même, je te commande maintenant. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Pendant que nous prions, certains sont en train de rentrer maintenant dans les arbres. Certains sont en train de rentrer dans les arbres, en train de récupérer. Maintenant, je récupère mon arbre, je récupère mon étoile, je récupère mes grâces, je récupère mon ministère, je récupère mes dons, je récupère ma gloire, je récupère ma foi, je récupère, allez récupérer, récupérer, récupérer. Tout ce que vous voyez qui vous manque dans votre vie, c'est gardé dans une prison. Allez récupérer, commencez pas à les récupérer. Commencez pas à les récupérer. Commencez pas à les récupérer. Allez récupérer, récupérer, récupérer. Demandez que le Saint-Esprit vous envoie le filet. Dis, Saint-Esprit, envoie-moi le filet. Envoie-moi le filet. Je ramasse tout ce qu'on m'a volé. Je ramasse tout ce qu'ils m'ont pris caché dans cette prison. Je ramasse pour moi et pour mes enfants. Je ramasse au nom de Jésus. 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 Je ramasse. Allez, ramassez, 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 ramassez. Ramassez, ramassez, ramassez. Ramassez, ramassez, ramassez. 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 Priez, 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 priez. Ramassez. Ramassez. Tu vas prier, prier, prier. Les faux prophètes de ta famille. Les prophètes démoniaques. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute prophétie qui vient du monde extérieur sur ma vie, par le nom puissant de Jésus, j'annule cette prophétie.
J'en ai eu des prophéties. Tout ce qu'ils ont donné à la lune, aux étoiles, au soleil, je vais frapper, Seigneur. Je commande que ces hommes soient anéantis. Bien aimé, prie contre les prophéties démoniaques, les prophéties des sorciers qui te menacent même dans les rêves. Ils te disent, on va voir si tu réussis. Et ils sortent des proverbes, ils sortent des citations pour t'effrayer. Tu te réveilles dans l'angoisse, tu te réveilles dans la confusion. Prie contre ces prophéties démoniaques. Prie contre ces prophéties démoniaques. Toute prophétie démoniaque prononcée sur ma vie est révoquée au nom de Jésus. Révoquée au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ordonne l'anéantissement immédiat de tout enchantement sur ma vie. J'ordonne l'anéantissement immédiat de tout enchantement à travers la lune, à travers le soleil, à travers les étoiles, à travers les vents, à travers la terre. Je commande par l'autorité du nom suprême de Jésus, l'anéantissement de toutes ces paroles au nom de Jésus. Prie, il y a des personnes qui sont partis me chercher des prophètes de Baal, des marabouts pour les maudits, des féticheurs, des bocons pour les maudits parce qu'ils ont des pouvoirs. Alléluia, tu vas prier contre tout féticheur, tout marabout, tout alpha, ou tout agent des ténèbres qui a reçu un pouvoir pour me maudire, qui a reçu de l'argent, qui a reçu des enfants pour me maudire. Aujourd'hui, il est écrit sur moi, toute personne qui me maudit sera maudite. Je déclare nul et sans effet toutes les malédictions qui ont été prononcées par la bouche de ce marabout, par la bouche de ce féticheur, par la bouche de ce grand sectaire. Au nom de Jésus, je me tiens au pied de la croix, la victoire de Jésus a été proclamée. Je me tiens au pied de la croix et je brise toutes les paroles d'enchantement des mystiques. Je brise. Aujourd'hui, je suis guéri. Jésus m'a guéri. Il m'a guéri du sida. Il m'a guéri du cancer. Il m'a guéri de l'embolie pulmonaire. Jésus m'a guéri. Il m'a guéri des douleurs lombaires. Au nom de Jésus, il y a une puissance. Prie, dis Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Que le mal qui est dans mon dos, le mal qui est dans mon ventre, le mal qui est dans mon pied, je commande par l'autorité du nom de Jésus. Allez, mal, sors de mes pieds maintenant. La boule que je vois dans mon sein, je commande maintenant qu'elle sorte maintenant. Allez, sors de mon sein gauche. Toi, boule qui est dans ce sein gauche, je te commande. Allez, sors au nom de Jésus. Tu as perdu ton pouvoir. Tu n'as aucune autorité. Allez, lâche-moi maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. Je détruis la malédiction qui t'a amené. Je détruis l'autel qui te nourrit. Je presse l'autel. L'autel qui a été placé quelque part. Qui te donne le pouvoir. Toi, la boule qui est dans le sein de cette bien-aimée. Je commande maintenant même. Allez, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez, tu ne commences pas à sortir. Tu ne commences pas à sortir maintenant. Tu n'as plus de pouvoir. Allez, tu sors maintenant. Maintenant, elle ne va pas attraper le cancer. La cancer, tu vas manger à la personne qui t'a envoyé. Je te commande au nom de Jésus, la cancer qu'on t'a dit de placer dans ton sein. Je t'ordonne de retirer le cancer de sa vie. Retire le cancer de sa vie au nom de Jésus. Retire-moi le cancer, tu n'as plus de pouvoir. Au nom de Jésus. La Bible déclare que la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Allez, cancer, sors de son sein maintenant. Sors de son sein maintenant, au nom de Jésus. Elle ne sera jamais frappée de cancer. La malédiction de cancer sur ta vie est brisée aujourd'hui. Je brise cette malédiction de cancer. Tu ne subiras pas de cancer. Mais celui qui t'a envoyé va faire l'expérience du cancer et connaîtra ce que ça veut dire, envoyer cancer dans la vie de quelqu'un. Seigneur Jésus, cette bien-aimée, ce bien-aimé, en ce moment, qui est en train d'être essoufflé. Papa, il y a une bien-aimée qui sont essoufflés. Oh, qui n'arrive pas à bien respirer. Dont les poumons sont remplis, Seigneur Jésus, des déchets. Oh, maintenant, Saint-Esprit, fais souffler dans ses poumons. Maintenant, souffle. Tu reçois l'eau de Jésus. Tu reçois le souffle.
Tu reçois le souffle maintenant. Commence pas à vivre. Commence pas à vivre. Commence pas à vivre. Commence pas à respirer. Allez, commence pas à respirer. 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 Ta respiration revient. Ta respiration est restaurée. Ta respiration est restaurée. Ta respiration est restaurée. Ta respiration est restaurée. Oh, je prie, mais je déclare ta respiration est restaurée. Ta respiration est restaurée. Ta respiration est restaurée. Ta respiration est restaurée. À l'instant même. 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 Toi, toi qui es connecté et qui sens des choses circuler dans ton corps, toi qui es là et que tu sens les choses qui circulent dans ton corps, je te confie ce soir au Seigneur. Seigneur Jésus, voici ton serviteur. Voici ta servante. Père, est-ce que ton serviteur, ta servante, est-ce que tu veux te servir de ce temple? Parce que tu as dit que notre corps est ton temple. Alors, Seigneur, il a confessé ton nom. Tu as dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, il a invoqué ton nom. Alors, Seigneur, son héritage du salut lui soit accordé, papa. À l'instant même, je commande que ce qui circule dans le corps, l'araignée qui circule dans son corps, toi, araignée, au nom de Jésus, sors! Allez, sors. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Je vois que tu te déplaces. Je vois que tu te déplaces. Pendant que tu te déplaces, tu croises le feu. Tu croises le feu. Tu croises le feu devant toi. Tu croises le feu derrière toi. Tu croises le feu à gauche. Tu croises le feu à droite. Sors au nom de Jésus. Maintenant, l'envoûtement de toi, l'envoûtement d'arrêt est brisé. L'envoûtement d'arrêt est brisé. Reçois la guérison maintenant. Il sort de ton corps. Il sort de ton corps. Le cafard 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 sort de ton corps. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Sors maintenant. Sors de ce corps maintenant. Sors de ce corps maintenant. Le cafard sort. Sors de ce corps maintenant. Sors. L'onction de Dieu en train de couler en ce moment. Esprit de révélation de sang. Inonde ce lieu de ta présence. Que l'esprit de guérison descende. Que l'esprit de guérison descende. Commence pas à parcourir la terre. Commence pas à parcourir la terre en ce moment. Partout des gens qui sont venus, Seigneur Jésus. Maintenant même. Oh, Saint-Esprit, commence pas à les toucher. Commence pas à les toucher maintenant. Oh, commence pas à les toucher maintenant. Maintenant même, le cafard, oh, le séco qui circule dans ce corps, maintenant, il sort au nom de Jésus. Vous sortez parce que ce corps est la maison de Dieu. La maison n'est pas la maison de cafard, n'est pas la maison de séco, n'est pas la maison, oh, de lézard. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus, vous n'avez pas de pouvoir. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Vous n'avez pas de pouvoir. Sortez d'elle au nom de Jésus. Nom de Jésus. Sortez d'elle au nom de Jésus. Le sang de Jésus a détruit le pouvoir. Allez, sortez. Nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Nom de Jésus. Ce corps, le Seigneur en a nom besoin. De Jésus. Le Seigneur en a besoin. Jésus en a besoin. Allez, libérez nom de ce Jésus. Corps. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Allez, libérez ce corps maintenant. Dépêchez-vous. Vous êtes des occupants illégaux. Allez, sortez maintenant. Nom dégagez au nom de Jésus. Dégagez. Pas de négociation avec vous. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est à nous. Et nous vous commandons au nom de Jésus de libérer maintenant. De libérer maintenant. Seigneur, maintenant même. Que tes anges descendent maintenant. Que tes anges descendent avec leur épée de feu. Qui descend avec leur épée de feu. Qui descend avec leur épée de feu maintenant. Que le cafard, le chéco, la souris, le serpent, qui refuse, qui s'entête de partir maintenant, qui soit taillé au nom de Jésus qui n'en arrête. Maintenant, soyez au nom de Jésus. Recevez des coups d'épée. 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 Au nom de Jésus. Ce corps ne va plus vous reconnaître. Ce corps ne va plus vous reconnaître. Ce corps ne va plus vous reconnaître. Ce corps que vous avez fait votre demeure, comme vous avez fait pour le démon de Gadara, maintenant ce corps ne va pas vous habiter. Maintenant, vous avez libéré ce corps. Toi, serpent, sors de ce corps maintenant au nom de Jésus. Sors de son bas-ventre maintenant. Sors de son bas-ventre au nom de Jésus. Je coupe ta tête au nom de Jésus. Je coupe ta tête. Tout serpent qui circule dans le corps de quelqu'un, reçois l'épée au nom de Jésus. Reçois l'épée au nom de Jésus. Maintenant même, je sors le serpent. Je sors le serpent. Je sors le serpent. Je sors le serpent. Tout serpent qu'on a placé dans la partie intime de quelqu'un, qui l'empêche de procréer, aujourd'hui, Jésus, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu.
Le feu maintenant. Quelque chose se passe. Feu maintenant. Tu as envie de pisser, va pisser. Feu maintenant. Si tu as envie de pisser, va pisser en même temps. Si tu as envie de pousser, va pisser. Feu maintenant. Feu maintenant. Le feu t'ébranle. Le feu qui t'ébranle. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Le feu descend. Maintenant, le feu descend maintenant. Le serpent qui t'a maquillé, mais sort au nom de Jésus. Le feu descend. Il y a un feu qui descend. Il y a un feu qui monte dans sa cachette. Il ne pourra pas rester dans ce corps. Il ne pourra pas. Le feu descend. Tu ne pourras pas parce que ce corps a été consacré. Ce corps a été dédié pour recevoir le Saint-Esprit. Allez, le feu descend. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Le feu descend. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Le feu descend. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Le feu descend. Seigneur, envoie ton esprit. Envoie ton esprit pour guérir tous ceux qui souffrent de l'autisme. Toute personne qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus. Toute personne qui a un retard dans la conscience. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, visite maintenant. Visite maintenant. Visite au nom de Jésus. Visite maintenant. Visite maintenant. Visite maintenant. Visite. Au nom de Jésus. Tu es touché. Tu es touché. Tu es touché. Tu es touché. Maintenant, le démon d'autisme, je te commande. Au nom de Jésus. Lâche. Sors maintenant. Je pointe l'épée sur toi. Je pointe l'épée sur toi. Sors maintenant. Sors maintenant. Je pousse les chaînes, démon d'autisme. Sors. Toi qui as pris le contrôle mental de cet enfant. Le contrôle mental de cet homme. Allez, tu sors. Au nom de Jésus. Tu sors. Au nom de Jésus. Sortez. Il n'y a pas de pouvoir ici. Que pouvoir. Tout pouvoir. Sors. Le ciel et la terre. Tu n'as aucun pouvoir. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sors. Sors maintenant. Saisis ça. Sors. Qui est logé? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Tu lâches maintenant. Lâche maintenant. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Dis Seigneur, ce qui est placé dans mon dos, ce qui est placé, le démon qui est dans mon dos et qui me donne la douleur lombaire. Pendant que je touche mon dos, Seigneur, relâche ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui le retire de mon dos. Au nom de Jésus. Lâche. Et qui saute. Lâche maintenant. Et qui saute. Maintenant. Au nom de Jésus. Toi, esprit de Marie de nuit. Libéré. Toi, esprit de Marie de nuit. Tu sais que tu n'as plus de pouvoir. Tu sais que tu n'as plus de fondement. Tes fondements ont été renversés. Et tu n'as plus d'autorité maintenant. Je te commande maintenant de lâcher cette vie maintenant. Allez, lâche cette vie maintenant. Ton alliance que tu as tissée avec l'alliance de Marie, les pactes sataniques que tu as tissé dans sa famille par le lien de sang, ont été brisés à la croix par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus maintenant. Allez, démon, Marie de nuit. Libéré. Marie de nuit. Allez, le moment est venu. Le mariage que tu as fait avec elle n'est nullement reconnu. La Bible déclare que deux personnes marchent ensemble sans être convenues. Elle ne s'est jamais accordée avec toi dans ce mariage. C'est un mariage. Sortez maintenant. C'est pas dans ce mariage forcé. Sortez. Ce mariage que tu as avec elle. Sortez elle maintenant au nom de Jésus. 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 Sors. Quand on la voit, on pense qu'elle est occupée, elle est mariée. Allez, retire maintenant. Retire de sa vie. Retire de sa vie. Retire.
Pas avec tes semences, dépêche-toi. Retire maintenant, retire maintenant. Retire maintenant. Retire tout. Retire. Non, tu cherches. J'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu. Feu. J'envoie le feu sur toi. Le feu dévore. Sortez en cascade. Libérez. Lâchez maintenant. Lâchez. Lâchez les mariages maintenant. Allez, rendez les mariages maintenant. Lâchez. Rendez-les. Il y a un feu qui traverse vos mains. Vous êtes obligé de lâcher. Il y a un feu qui traverse vos mains. Et vos mains sont en train de trembler de feu. Vos mains sont en train de brûler de feu. Allez, lâchez les mariages. Lâchez maintenant. Lâchez les santé que vous avez détruites. Allez, lâchez maintenant. Vous lâchez. Allez, lâchez. Maintenant, lâchez. Lâchez. C'est fini, vous n'avez plus de pouvoir. Seigneur, envoie un ange puissant pour déloger la sirène des oquets dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. J'envoie le feu maintenant. Le feu descend. Ou de feu maintenant. Feu maintenant. Feu. Maintenant. Feu. Maintenant. Le feu descend. Au nom de Jésus. Toi, sirène des eaux. Le feu descend. Toi, sirène des eaux dans ce corps. Le feu descend. À l'instant, tu peux te tourmenter. Le feu commence par te tourmenter. Tu reçois le feu de tourment. Il y a des charbons de feu, des brasses de feu qui descendent sur toi, qui descendent, qui te consument, qui consument le feu, descend. Qui consument tes écailles, qui consument ton ventre. Maintenant, tes ornements. Allez, prends feu. Toi, sirène des eaux dans ce corps, je te menace. Lâche. Sors, je te commande, sors maintenant au nom de Jésus. Sortez. Maintenant. Libérez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Le moment, l'heure est venue, vous devez partir. Vous devez lâcher cette vie. Elle ne sera jamais l'instrument que vous allez utiliser. Jamais. Jézabel, toi aussi, tu t'en vas. Jézabel, l'onction puissante descend pour briser ton pouvoir dans la vie de cette bien-aimée. Allez, Jézabel, plus bagage et battant, Jézabel. Je remplis ton trône, Jézabel. Jézabel, j'envoie le feu dans ton palais. Jézabel, commence par tourner. Jézabel, tourne. Et sors au nom de Jésus. Sors maintenant. Dans les abîmes au nom de Jésus. Saint-Esprit, que l'épée de délivrance descende. Que l'épée de délivrance descende. Au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'épée de délivrance maintenant. Descends maintenant. Dis Seigneur, merci. Bénis le Seigneur. Vous pouvez ouvrir vos vidéos. On va se connaître aussi. Ouvrez vos vidéos. Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos vidéos et remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Ouvrez la vidéo. Remerciez le Seigneur. On va voir les visages connectés. Remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Remerciez le Seigneur Jésus. Remerciez le Seigneur Jésus. Bénissez Jésus.
Bénissez le Seigneur Jésus. Remerciez le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Remerciez le Seigneur. On veut voir le visage. Merci Seigneur Jésus. Merci. Bénissez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Bénissez, bénissez le Seigneur. Rendez gloire au Seigneur Jésus. Rendez gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, sois béni. Sois béni, Seigneur. Bénissez le Seigneur. Rendez gloire à Jésus, vous les saints. Rendez gloire à Jésus. Bénissez le Seigneur. Seigneur Jésus, célébrons, ô Dieu. Merci Seigneur. Célébrons, tu es merveilleux. Gloire à Jésus. Bénissons, Seigneur. Merci. Éternel, mon Dieu de gloire. J'ai béni ton Seigneur, papa. J'ai béni le nom de l'Éternel. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel. Bénissez le Seigneur Jésus. Bénissez Jésus. Bénissez Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce infinie pour ma vie, merci pour cette grâce de l'Évangile que tu as apporté dans ma vie. Amen. Alléluia.
Les eaux de sorcellerie. Amen. Tout ça là, pour mieux conduire les prières. Amen. Donc le jeudi prochain, nous serons encore là. Si la tempête a dû sonner, nous serons là encore pour prier. De toute façon, nous allons attaquer la sorcellerie dans la maison de notre Père. Alléluia. Aujourd'hui, on a prié contre les fondations. On a prié contre les esprits de servitude. On a prié contre les idoles, contre les alliances. Voilà. Donc la fois prochaine, nous allons évoluer maintenant. L'objectif de l'orable, c'est que nous voulons servir le Seigneur, comme l'homme de Dieu a dit. Alléluia. Et pour servir le Seigneur, ça va passer par un moment de revêtement. Amen. C'est là, ça montre que, oui, nous sommes véritablement délivrés. Amen. Délivrés pour servir le Seigneur, c'est ce que je veux dire. Gloire à Jésus. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si l'évangéliste est encore là. Je lui donne la parole pour... Voilà Jésus. Et le Seigneur pour la réussite de ce de cette première séance de ce programme spécial de prière, de combat et de délivrance en ligne. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la réussite. Nous savons qu'il y a beaucoup de témoignages. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 témoignages s'il y en a. Et nous allons clôturer. Et nous savons bien préciser que nous sommes à une phase expérimentale. Donc, la plateforme que nous utilisons, nous allons aussi tester d'autres plateformes pour choisir la meilleure, pour que la communication soit fluide, pour qu'on se sente vraiment plus à l'aise, que la communication puisse bien passer. Donc, nous avons testé aujourd'hui avec Telegram. Si on doit changer pour essayer encore avec une autre plateforme, et nous allons vous informer. Et ne soyez pas fatigués chaque fois qu'on vous demande de passer à une autre plateforme, parce que nous allons tester avec beaucoup de plateformes pour voir la meilleure, pour que vous soyez vraiment plus à l'aise. Voilà, parce que lorsque nous sommes dans la prière, on ne veut pas être distrait, on ne veut pas être perturbé. Même les petits bruits qu'il y a derrière, tout ça là, ça perturbe. Or, il y a des plateformes aujourd'hui, il y en a des meilleures. Donc, de test en test, nous allons trouver la meilleure. Il y a par exemple et Zoom, il y a aussi Google Meet,
Il y a aussi de nouvelles qui sortent maintenant, aujourd'hui. Et chacun a ses limites, chacun a ses avantages. D'autres sont payants et d'autres sont gratuites. Aujourd'hui, nous avons testé avec Telegram, c'est pas mal. Mais nous allons analyser pour comparer à d'autres plateformes pour voir si nous allons choisir d'autres plateformes pour que cette séance se passe de façon professionnelle, pour que nous soyons vraiment dans une bonne connexion spirituelle, pour que les objectifs fixés que le Seigneur a fixés pour lancer ce nouveau programme, que ces objectifs soient vraiment atteints. Voilà. S'il y a deux ou trois témoignages, vous allez vous signaler et nous allons vous prendre et clôturer parce que nous avons encore juste quelques minutes devant nous. S'il y a un, deux témoignages, quelqu'un qui a été touché par ce qui s'est passé ce soir, vous pouvez vous manifester et en ouvrant votre vidéo et nous allons vous écouter rapidement. Quelqu'un a été impacté par ce qui s'est passé ce soir, vous allez vous manifester. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne bien. Quelqu'un veut témoigner? Voilà, si vous voulez témoigner, vous allumez votre micro voilà, et on va voir ça en vert. Voilà, vous ouvrez le micro et la caméra et ça marche. Voilà, je vois la sœur là. Voilà. Bon. La sœur Bénédicte de l'île de Chypre. Voilà, tu parles mais la voix ne sort pas. Voilà. Il faut ouvrir la vidéo. C'est peut-être le mec qui a un peu touché l'homme de Dieu. Moyen. Je bénis le Seigneur pour la vie de la sœur Bénédicte depuis Chypre. Voilà, c'est en Europe. Et je salue tous les frères et sœurs depuis Chypre. Voilà, gloire à Jésus. La sœur Tabitha de Ouaga, le frère Moïse de Cameroun, la sœur Lucas de Haïti, la sœur Déborah de Jésus, la sœur Esther de Ouaga. Voilà, la sœur Déborah de la France. Voilà, la sœur Joël de la France, la sœur Rachel, la sœur Sarah de Luxembourg, la sœur Fanny de France. On peut pas citer tout le monde. Celui qui veut témoigner, serviteur Jean-Baptiste, vous avez un mot? Voilà Jésus. Voilà Jésus. Amen. Je sais que nous avons tous été impactés d'une manière ou d'une autre. Hein, on ne vient pas, on ne repart jamais hein, après avoir resté en présence du Seigneur comme on est venu. Donc, que toute ta gloire soit rendue. Alléluia. Alléluia, voilà, la servante de Dieu, Fouébé de France, que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, merci. Amen. Soyez fortifié, homme de Dieu. Merci pour ce programme. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui vous a inspiré. Et amen. Vraiment, nous en avons besoin. Merci, Seigneur Jésus, merci. La sœur Sarah, servante Sarah de France, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. On ne peut pas citer tout le monde. Nous ne citons que quelques noms qui nous sont affichés. La sœur Péniel de Ouaga, nous bénissons le Seigneur pour ta vie.
la sœur Salomé de Bobo, voilà, Bobo Dioulasso. Nous saluons tous les frères et sœurs de Bobo Dioulasso, les serviteurs de Dieu, depuis Bobo Dioulasso, la sœur Salomé qui prépare même son mariage. Bobo, voilà. Bobo Dioulasso. Nous saluons voilà. Tous les frères et sœurs. Elle prépare son mariage. Tout feu, tout flamme. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Elle prépare son mariage. La sœur Jenny de Haïti. La sœur Déborah. La sœur Priscille de Ouaga. Voilà. Le bien-aimé Bomisso et toute sa famille depuis l'Angleterre. Ce sont les inconditionnels du réveil, ça. Nous saluons tout le monde. Nous saluons la sœur Fifi de France, tout le monde. La sœur Janice des États-Unis. Voilà, nous saluons la sœur Jeanne de Kinshasa. Voilà, toujours connectée. La sœur Geneviève de France. Le Seigneur vous bénisse. La sœur Dieu veille de la France. La sœur Mouria depuis les îles Bahamas. Voilà, voyez, le réveil est connecté sur toute la terre. Toute la terre est connectée en ce moment. De la France jusqu'en Afrique, jusqu'aux États-Unis, partout. La sœur Wislem depuis le Canada. Voilà, le frère Joël depuis Cotonou. Alléluia. Voilà, la sœur Péniel depuis la France. L'année. Voilà. La sœur Ruth depuis Ouaga. La sœur Théodora depuis la France. La sœur Rachel depuis Koweït. Voilà, la sœur Irène, voilà, je pense bien. La sœur Nathalie depuis l'Angleterre. La sœur, la servante Ozias depuis le Canada. Voilà, ce sont les inconditionnels du groupe Jésus revient. Tout le monde, hein, chacun représente un pilier pour le réveil. Et maintenez ce pilier solide, ne permettez que rien ne vienne et démolit ce pilier que vous représentez. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur, la sœur Grace depuis le Togo. Et beaucoup, beaucoup sont connectés. Voilà, gloire à Jésus. Nous allons clôturer pour dire que le prochain rendez-vous, ce sera pour le jeudi prochain. S'il y a un changement par rapport à la plateforme, on va aussi communiquer pour ça. Et s'il n'y a pas de changement, sachez que le jeudi prochain, toujours à la même heure, à partir de 21h, les prières intenses, le Seigneur veut que nous ne laissons aucun vide. Voilà, le Seigneur veut que nous nous occupons tout le temps pour lui. Voilà, quand il viendra nous voir dans la prière. Voilà, il viendra nous voir dans la prière. Il viendra nous voir dans sa présence. Gloire à Jésus. Donc, nous bénissons le Seigneur. Je salue la sœur Péniel depuis Koweït aussi et tous les frères et sœurs depuis Koweït, depuis Liban. Et voilà, nous bénissons le Seigneur pour votre vie depuis Arabie Saoudite. Voilà, nous bénissons vraiment le Seigneur et le Seigneur Jésus veille sur vous. Alléluia. Nous allons prier pour la clôture. Ah, Seigneur, ô Éternel, qui est comme toi, Seigneur, ô Éternel, parmi les dieux, qui est comme toi. Magnifique ta sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia, alléluia. Dieu très très saint, qui peut sauver comme toi, qui peut délivrer comme toi, qui peut restaurer comme toi, qui peut restaurer des vies comme toi? Nul, Seigneur, si ce n'est toi. Personne ne peut faire ce que tu es capable de faire. Seigneur, c'est pourquoi en ce moment, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te dire vraiment merci pour ce programme que tu as institué, pour la libération
de tes brebis qui sont encore dans des chaînes, qui sont encore en train de lutter dans des chaînes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le programme de ce soir où beaucoup de tes brebis sont libérés de leurs chaînes de famille, de leurs chaînes de malédiction, des liens qui les condamnaient. Ce soir, tu as brisé leurs liens. Seigneur, nous voulons te dire vraiment merci. Grand Dieu, grand roi, papa, le combat que tu as commencé dans leur vie, nous croyons fermement que tu vas achever. Désormais, ceux qui ont des problèmes d'oppression spirituelle, ils seront tous libérés. Oui, ils sont tous libérés au nom de Jésus. Désormais, personne ne parlera plus de mari de nuit. Désormais, personne ne parlera plus de femme de nuit. Désormais, personne ne parlera plus d'oppression, d'oppression spirituelle. Oui, parce que Seigneur, tu es descendu pour libérer tes brebis. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois la magnificence. Seigneur Jésus, tu es merveilleux Dieu. Papa, nous te disons merci. Papa, nous voulons nous séparer de corps, mais en esprit, nous sommes toujours un dans ta présence. Alors Seigneur, nous te confions nos âmes, nos esprits et toute notre vie. Seigneur, sur nos couches, Papa, nous voulons nous sentir dans ta main. Seigneur, tu protèges chacun de nous. Toute force des ténèbres qui tentera de s'approcher de tes brebis soit frappée, neutralisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grand Dieu, grand roi, Papa, nous prions, Seigneur, tout ce qu'il y a dans le cœur de tes brebis qui peut les empêcher d'entrer dans ton royaume si la trompette sonne cette nuit, Seigneur, nous te prions de bannir tout cela de leur vie. Seigneur, nous te prions, aide tes brebis à monter dans ta gloire. Seigneur, si la trompette sonne cette nuit, Seigneur, nous voulons que tous tes brebis montent dans ta gloire, Seigneur, que tu les amènes dans ton repos. Seigneur Jésus, mais si tu ne venais pas, Papa, nous voulons voir dans cette nuit, Seigneur, que tu nous révèles les meilleures images du ciel. Seigneur, révèle-nous la beauté du ciel. Seigneur, révèle-nous comment les anges sont en train de préparer notre retour, Seigneur, dans ton palais. Seigneur Jésus, révèle-nous les merveilles du ciel, Seigneur Jésus. Papa, toute main de l'ennemi ou toute force des ténèbres qui tentera de nous faire peur dans le sommeil, nous prions maintenant que ton feu les anéantit, Seigneur Jésus. Tout esprit de serpent qui fera peur à tes enfants dans leur sommeil, nous prions maintenant qu'ils soient décapités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tes brebis se sentent en paix, que tes brebis se sentent en sécurité, que tes brebis se sentent en joie, Papa, que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà Jésus. Je salue la sœur Marie Roseline depuis la France, le frère Enoch depuis Ouaga. Voilà. Je salue ma fille Marie Laura depuis Koweït. Voilà. Gloire à Jésus. Je salue tout le monde. Je salue la servante de Dieu, la sœur Gladys depuis l'île Réunion. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Et je salue la sœur Delcy depuis les États-Unis. Toujours connectée. Voilà. Je salue la sœur Mariam. Voilà. Je salue la sœur Esther, la servante de Dieu, Esther depuis Ouaga. Je salue tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais Jésus connaît le nom de chacun de vous. Amen. Et il vous appelle par son nom. Amen. Vous saluez. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, 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 shalom.